mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Retour sur le plateau, ça se discute après ce film. La Rivale avec Michel Morgan. Retour donc sur le plateau de Ça se discute pour évoquer cette fois la vraie vie, après ce beau film, toutes les rivales de la vraie vie, ces caractères des uns, ces passions des autres, ces événements de la vie qui arrivent à tous et qui sont parfois dévastateurs pour le couple. Car le couple va mal, les chiffres sont désormais connus. En gros, 5 mariages égale 2 divorces. Même les moins doués en arithmétique en auront conclu qu'on se dirige tout doucement vers un échec sur 2, c'est beaucoup. Alors si on se sépare autant, c'est donc qu'il doit y avoir beaucoup de raisons de se séparer, beaucoup de rivales, beaucoup de rivaux et des tas d'incompréhensions qui rôdent autour des couples comme autour de Michel Morgan dans ce film qu'on vient de voir. Il n'est pas question pour autant ce soir de hiérarchiser scientifiquement les causes de séparation. Je crois que ce top 50 serait d'ailleurs impossible. Il s'agit comme toujours dans Ça se discute d'écouter des histoires de couples. Certains se sont accrochés malgré les crises, mais déjouent les pronostics unanimes de leurs proches, ils parviennent à résister. Et puis d'autres, promis un amour éternel, renoncent à la première anicroche, sans qu'on sache trop d'ailleurs souvent pourquoi exactement. D'où l'intérêt d'écouter nos invités de ce soir que je vous présente, en commençant par Martine Renœuvre. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci pour elle. Pendant plus de 10 ans, vous avez vécu ce qu'on appelle encore aujourd'hui, ça va changer peut-être dans les années qui viennent, une inversion du schéma traditionnel, à savoir que vous travailliez pendant que votre mari restait à la maison, à s'occuper de la maison, votre couple n'y a pas survécu. Vous nous raconterez ça. À côté de vous, Paul Devel. Bonsoir Paul. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Ça se discute. Vous étiez venu témoigner dans notre émission sur les femmes et la terre. Ce soir, vous venez de nous parler de votre histoire de couple. Vous avez fait quand même le gros du chemin avec votre femme, plus de 30 ans de vie commune. Nous avons élevé les enfants. Vous avez élevé les enfants pendant 30 ans. Une fois que les enfants ont été élevés, l'amour est parti? Non. Les conditions sont devenues impossibles, invivables. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Vous avez divorcé à quel âge précisément? 60 ans. À 60 ans. Nous écouterons également Valérie. Bonsoir Valérie. Bienvenue. Joli petit look. Comme Michel Morgan dans le film, on peut dire que Valérie a eu pendant une vingtaine d'années une rivale en la personne d'une bouteille, celle dans laquelle se réfugiait votre mari. Vous nous direz, madame, comment l'alcool a fini par tuer votre couple. On peut ajouter que ça arrive dans tous les milieux et que votre mari était un brillant médecin. À vos côtés, Patrice Henry. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. On va évoquer un aspect assez délicat de la séparation avec, avec vous, Patrice Henry. Votre femme est partie un an après un licenciement que vous avez connu au cours de votre carrière, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Avec vous, on essaiera de comprendre pourquoi le travail, quand on n'en a plus ou parfois quand on en a trop, peut briser les couples et comment faire en sorte de prévenir ce qui devient une deuxième blessure ou une deuxième punition dans la vie au moment où on en a évidemment le moins besoin. On écoutera aussi un couple qui a choisi de garder l'anonymat pour témoigner des ravages sur le couple, des difficultés d'ordre sexuel. C'est évidemment un des points de désaccord parfois dans les couples qui peut amener aussi à une séparation. Avant de vous présenter les invités qui sont à ma gauche sur ce plateau, je vous demande d'accueillir un comédien qui joue à la Comédie des Champs-Élysées, le Dîner entre amis. Dîner entre amis, ça change un peu des dîners de cons. C'est une pièce qui traite du couple et de ses soubresauts. C'est un grand séducteur, c'est un immense acteur. Je suis très touché d'accueillir Didier Sambre ce soir. Notre plateau. Bonsoir Didier. Bonsoir. Je vais nous dire Didier, je crois que je vous ai vu la dernière fois jouer une pièce d'Oscar Wilde. C'était le mari idéal. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission comme celle-ci ce soir? Bah écoutez, moi je suis ni psychologue, ni ethnologue, ni sociologue, ni voyeur. Mais il se trouve que quand on est jeune acteur, beaucoup des pièces ou des scénarios qu'on lit ont pour sujet les amours commençantes, débutantes. Après un certain nombre d'années de pratique, je veux dire, ce qu'on lit, ce sont des problèmes de couple, des problèmes de mari qui trompe leur femme, enfin, etc. Et que donc, je suis en plein dans le sujet, je suis en plein dans le créneau, et qu'il se trouve que j'ai la pièce que je joue en ce moment est l'éclatement d'un couple face à un couple qui reste stable après un certain nombre d'années de conjugalité qui comprend l'usure du désir, Et comment? Bon, le mariage au départ, c'est une histoire d'amour en principe, hein?
normalement. C'est de moins en moins arrangé. En principe, c'est ça. Bon, à partir de quel moment ça se complique à ce point qu'on ne sait plus où est l'amour dans cette espèce d'arrangement, de structure sociale qui est la famille, le mariage, etc. Et choisir la facilité qui est sans doute d'arrêter plutôt que de continuer. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que ce soit forcément une facilité. Je trouve que ça peut être aussi un acte de courage. D'arrêter D'arrêter, oui. De reconnaître que l'amour est fini, l'amour est mort et que peut-être on peut recommencer autre chose. Je veux dire, la tentation du divorce, en tout cas, est plus fréquente qu'avant. Est-ce que pour autant les couples se choisissent plus mal pour arriver à quasiment un couple sur deux qui divorce dans le pays? Mais ce que vous me dites m'étonne. Je pensais que c'était pas à ce point, quoi. Et Didier, c'est la réalité. Les auteurs, les réalisateurs, sans doute les acteurs aussi, je le sais parce qu'on me dit autour de moi, ont besoin d'écouter des histoires vraies pour voir ce qu'est la réalité de cette fin de siècle. Notre rôle, c'est pas de se substituer à cette réalité non. avec laquelle vous allez dialoguer. Nous, notre pièce, elle est modeste, elle parle de tous ces problèmes-là avec beaucoup de légèreté, d'humour et tout en sonnant juste, quand même. Et de dérision, tout en parlant des vraies choses. Quand même. Merci Didier, vous interviendrez donc pendant l'émission si vous le souhaitez, en tout cas à la fin pour nous dire ce que vous en avez pensé, d'accord. ce que vous avez retenu de ce que nous ont dit les uns et les autres. Je vous présente maintenant nos invités à qui on a consacré un reportage. On va commencer avec vous, Alain Jouy. Bienvenue parmi nous. Bonsoir Jean-Luc. Alain, vous allez. Merci d'encourager M. Jouy, parce qu'on a besoin. Alain, vous nous raconterez, vous, l'échec de vos deux premiers mariages. On parlait des problèmes de licenciement qui peuvent avoir une influence sur un couple, faire éclater. Vous, c'est plutôt le contraire. Vous imputez en partie vos échecs de mariage à votre assiduité un peu trop grande au travail. Vous nous avez ouvert les portes de votre nouvelle vie avec votre nouvelle femme, votre troisième femme, qui est aussi votre ancienne assistante, donc absolument. Qui vous connaît bien dans l'exercice de votre travail. Nous avons rapporté un reportage dont voici un premier extrait. Vous êtes gentil de préparer les documents. Et puis, Alain Jouy est directeur commercial d'un laboratoire pharmaceutique, un métier qui le fait sans cesse se déplacer. Oui, absolument, et les femmes de sa vie n'ont pas toujours bien accepté cette mobilité. Vous vous serez fait une opinion. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Ma seconde femme a vécu la mobilité comme un fardeau, comme une épreuve, comme un obstacle à notre bonheur, à notre épanouissement, à son épanouissement. Vous pouvez le comprendre, ça? Bien sûr. Bien sûr. Et malgré ça, vous ne faisiez pas en sorte d'être plus souvent avec elle? Comme lorsque j'étais avec elle, c'était la soupe à la grimace. J'avais pas envie d'être avec elle. Voilà, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, donc avec la numéro 3. Guylaine et Françoise Colcombe, bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir madame, est-ce qu'on applaudit ce soir? Merci. Bienvenue parmi nous, en tout cas. Vous avez formé pendant longtemps un vrai couple à distance, puisque vous étiez marin numéro 2 sur un énorme bateau de marine marchande. C'est ça, oui. De marine marchande pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est ce que j'allais dire. Pendant cette trentaine d'années, vous étiez marié avec votre épouse. Il vous arrivait de ne pas vous voir pendant vraiment longtemps. Pendant combien de temps au maximum, madame? 6 mois. Pendant 6 mois, donc vous vous écriviez, etc. Et vous vous retrouviez, vous passiez, un dixième du temps ensemble sur donc la première grande partie de votre vie. Et puis depuis quelques temps, vous êtes à la retraite et vous devez apprendre à vivre ensemble tous les deux. Et ce n'est pas aussi facile que vous auriez pu l'imaginer, comme va l'attester l'extrait de ce reportage qu'on vous présente, en attendant de le voir en intégralité. Ce sont des lettres que j'écrivais pendant l'absence de mon mari, où je lui mettais tous mes états d'âme. Je m'étais habituée à t'entendre régulièrement. J'avais l'impression que tu n'étais pas complètement partie. Mais tout cela est bien fini. Enfin, dans moins d'un mois, tu seras là. Il faut donc être raisonnable, mais qui peut dire que l'amour est raisonnable? Une lettre que vous pourriez écrire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais maintenant, je suis content que tu sois partie, je peux respirer. Ça fait trop longtemps que tu es à la maison. Ça me permettra d'être... Ça va me permettre de refaire le point un peu. Et de souffler. Sylviane et Laurent sont également nos invités. Je vous demande de les accueillir. Bonsoir Sylviane et Laurent. Bonsoir. Alors vous êtes vous aussi une sorte de couple à distance, bien qu'habitant la même ville, bien qu'habitant le même appartement même, mais passant finalement assez peu de temps ensemble. Pour quelle raison, monsieur? Je suis souvent hors de chez moi pour ma passion, quoi. C'est quoi votre passion? Le jeu. Quel jeu? Jeu en réseau et jeu sur PlayStation. Mais pas forcément jeu d'argent. Ah non, c'est...
C'est pas, on gagne pas d'argent. Quoi. La passion du jeu qu'il pratique à la maison, qu'il pratique également dans ses cybercafés, il y en a dans toutes les villes de France aujourd'hui, y compris à Limoges. Vous saviez qu'il était passionné à ce point au moment où vous l'avez rencontré? Non. Vous l'avez pourtant rencontré dans des circonstances où vous saviez qu'il aimait ouais, ça, les jeux vidéo. Oui, mais à ce point-là, non. Combien de temps vous consacrez aux jeux vidéo chaque semaine? Ouais, je sais pas, c'est une semaine. Chaque soir, chaque jour. Ah ouais, ça fait 8 heures par jour à peu près. Quoi. 8 heures par jour. Voilà, en dehors du boulot. Quoi. Tous les jours. Voilà. Donc un peu au cybercafé, un peu à la maison quand même. Voilà. Et quand vous partez chez vos parents ou vos beaux-parents? J'emmène ma console. D'accord, on va regarder un extrait de ce reportage. C'est assez hallucinant la vie que vous vivez. Vous posez des questions tous les deux sur la pérennité de votre couple. En même temps, vous êtes tous les deux très amoureux. Vous avez envie que ça continue. Bien sûr. Vous avez envie de continuer à jouer quand même. Bien sûr. Vous n'avez pas envie de le rendre malheureux pour autant. Voilà. Mais vous aimeriez qu'il joue un petit peu moins. Voilà. Enfin, vous essayez de vous débrouiller tous les trois finalement parce que vous avez aussi un enfant. Mmh. Une petite fille qui est toute petite, qui a un an et qui s'appelle Lauriane. Voici donc le premier reportage de cette émission réalisé par Jean-Baptiste Clavry et Benoît Grément. Connu, Johan. Je suis là. T'es vert. Oh, là, t'es chié dans le dos, t'as pas honte? Parle d'un barrière. À 29 ans, Laurent est accro aux jeux vidéo. La journée, il est peintre en bâtiment. Le reste du temps, il fréquente les cybercafés de Limoges. Pendant qu'il joue, sa femme Sylviane tue le temps et se promène en ville avec Lauriane, leur petite fille de 1 an. Parfois, elle fait un détour par le cybercafé dans l'espoir de ramener son mari à la maison. Mais pas ça, papoune. Oui, des papoune. Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres ou... Je vais pas tarder. Hein? Tu viens avec nous maintenant ou... Ouais, je t'attends. Pas maintenant, non. Ou je t'attends si tu veux, non? Hein? Je t'attends. Ouais. Encore une petite demi-heure. Il va falloir aller la faire manger maintenant. Ouais, bon, ben là, je vais finir un ou deux niveaux, quoi. Le temps de gagner. Bon, ben j'y vais alors. D'accord? Là, j'arrive. Tu tardes pas trop? Non, non. Allez, foiré, casse-toi! Tu sais, tu me shootes dans le dos. Tu veux que maman la remonte? Allez, remonte. Ouais. Moi, je voudrais qu'il soit plus souvent avec moi, qu'il partage un peu les joies de la petite. Attends. Elle vous l'a dit, ça? Ouais. Et bien souvent, s'engueule à cause de ça. Généralement, il dit, oh, ça la fout mal devant les copains que tu m'appelles toujours comme ça, toutes les 10 minutes. Ouais, c'est moi. Mais alors, t'arrives? Hein? Bah ouais, mais moi je t'attends. Hein. Bon bah dépêche-toi. Hein. Et c'est pas dans une heure. Hein. Bon bah à tout de suite alors. Dépêche-toi. Allez, bonne nuit bébé. Bonne nuit. Allez, j'éteins. Coucou, je suis là. Foiré. Faut qu'il se détende, d'après lui. Oh, c'est ça qui me manque, c'est sa présence. Bah, t'as vu l'heure, hein? Oh, t'es chier. T'aurais pu arriver plus tôt, merde. Hey. C'est comment ils sont? Oh oui, comment ils sont, oui. C'est la faute des autres, peut-être. J'allais partir, t'en fais un dernier, et puis voilà. C'est toujours la faute des autres, aussi. Il n'empêche que t'as pas vu la petite, et elle s'est couchée encore sans te voir. Je t'ai bien vu tout à l'heure à la salle. Oh, bah oui. Ouais. Bah bon, elle te voit pas de la journée, alors. Mange. Bah oui, maintenant t'as faim, forcément. D'autant plus, je vais peut-être y retourner tout à l'heure. Oh bah oui, bah, ça m'étonnerait. Oh, pas ça, moi. C'est le vendredi. C'est détente. Toute la semaine, j'ai bossé. Mais vous laissez quel moment à la vie de couple? Je sais pas. La vie de couple, à partir du moment où on est ensemble, il y a vie de couple. La vie de couple, c'est pour se tenir la jambe sans arrêt, quoi. Je sais pas. C'est clair qu'il y a pas de dialogue, hein. Il y en a pas de trop, quoi. Le dialogue, il est toujours le même. T'as vu, alors tu rentres... Les copains, puis bah voilà, quoi. À force, on s'y fait, quoi. Et puis bon, ben,
Vu les caractères qu'il y a, faut bien qu'il y ait un côté qui cède. Bon, bah, hop. Ce soir, comme ouais. souvent, Sylviane n'a pas eu de chance. Laurent n'a passé qu'une demi-heure en sa compagnie, juste le temps d'un repas frugal. Pas trop tard. Hein. Amuse-toi bien. Ouais, bah oui, bah toi, c'est plutôt à toi, amuse-toi bien. Comme tous les vendredis soirs, Laurent quitte le domicile conjugal pour retourner au cybercafé. Il reste jusqu'à 4h du matin avec ses camarades de jeu, pour la plupart célibataires. C'est parti. De toute façon, je serais marié, je pourrais pas venir là, quoi. Ah, ils sont deux, quoi. Parce qu'on a plus de famille, on a plus rien, quoi, je pense. Enfin, c'est ça, quoi. On sort à des heures impossibles, c'est la folie, quoi. Laurent, c'est Sylviane, le téléphone, tu peux monter, s'il te plaît. D'accord, merci, à tout de suite. Ouais. Dans pas longtemps, là. Mais les mecs, ils jouent encore au billard et quand ils se terminent, Mitch va fermer, j'arrive. Voilà quoi. Bon bah, tout de suite. Ok. Je ne peux pas me coucher sans lui. Je somnole là, devant la télé. Je connais toutes les histoires naturelles par cœur. Ah, ben le voilà. Il est quand même 3h moins le quart. Mais c'est pas trop tôt, hein. Ouais, tu fais le plus vite possible. Oh, t'as fait le plus vite. Heureusement que t'as dit, ouais, je reste qu'une heure. C'est quoi la pêche au saumon? Au brochet. Ah. Ouais. Tu l'as vu? La pêche au brochet en Irlande. Nous sommes dimanche, jour de fermeture du cybercafé. L'occasion pour Laurent de se consacrer un peu plus à sa femme et à sa fille. En général, quand je rentre, elle dort. Quand je m'en vais, elle dort encore. Quand elle est réveillée, c'est moi qui suis pas là. Quand je reviens le soir... Quand elle est debout, j'en profite, quoi. La PlayStation, je l'allume quand je veux, quoi. Elle, je peux pas l'allumer quand je veux. Cette passion pour sa fille, Laurent la concilie somme toute assez facilement avec sa passion pour sa console de jeu. Arrête, on va se faire engueuler. Qu'est-ce que tu veux faire là, Bichou? Et qu'est-ce que tu veux faire? 2h30, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire toi? Je sais pas, on aurait pu aller promener la petite, non? À l'heure qu'il est? Ouais. Et je viens de commencer. Bah, tu finiras après. Ouais, non, mais là, je peux pas, là. Moi, je peux pas. Non, j'ai fait la moitié, y a pas de sauvegarde, là. Non. T'es toujours dans tes jeux et tu penses pas à nous. Donc, tu nous aimes pas. On sait pas parce que je joue, je vous aime pas, quoi. C'est un peu votre maîtresse, ça, non? Ah, bah, c'est ma maîtresse, oui. Quand je suis pas avec ma femme, je suis avec elle. Je réduis pour passer un peu plus de temps avec ma femme, ma petite. Mais essayer d'arrêter, non, c'est comme de dire à un fumeur, ah bah tiens, tu sais pas, t'as qu'à essayer d'arrêter de fumer, quoi. Ou à un alcoolique d'arrêter de boire. Un homme concentré, comme vous pouvez le voir. D'un sens, je vous comprends, vous dites on n'est pas sur Terre pour s'emmerder, quoi. En fait, oui. Vous êtes comme un... Vous êtes presque resté un enfant, quoi. C'est-à-dire vous vivez pour jouer, quoi. Ben ouais, et puis il faut savoir rester enfant, quoi. Pourquoi pas? Ben oui. Vous faites souvent le coup du billard, quand même, ou... Pas dévoiler tous mes petits trucs. Là, vous êtes fait choper, à mon avis. Oui, là, c'est grave. Le type était caché, en fait, derrière le billard. Il était en train de prendre un petit café et il allait revenir dans la seconde qui allait suivre. C'est clair. Qu'est-ce que le jeu vous apporte que votre femme ne peut pas vous apporter? Bah, je sais pas, tout, quoi. C'est-à-dire? Quand je suis sur ma console, je m'évade ou entre copains, quoi. Je me fends pas autant la gueule avec ma femme qu'avec les copains, quoi. Ouais. Comment ça se fait, ça? Bah, je sais pas. Y a pas le même rapport, là. Déjà, on est sur un réseau, on est 6 ou 7 à être ensemble, quoi. Y a de l'ambiance, quoi. Tout seul à la maison... C'est pour ça que vous préférez aller jouer dehors que jouer à la maison? C'est pour... Parce que vous pouvez aussi ramener des copains à la maison pour jouer avec eux? Oui, je le fais aussi. Ouais.
Mais vous préférez... Qu'est-ce que vous dites, hein? Se marier avec une console. Ou se marier avec une console, oui. Pourquoi vous êtes marié? Pourquoi vous vous êtes marié? Parce que j'aime ma femme. Ah ouais. Voilà. C'est... Non, mais c'est dur à comprendre, mais vous avez l'air très patiente. Vous mettez en colère, parfois? Ouais, ça m'arrive quand même. Ouais, ça se voit peut-être pas là, mais bon... Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée, Sylvia? Ça fait 3 ans. Et 3 ans qu'on est mariés et 7 ans qu'on vit ensemble. Ah oui, d'accord. Et depuis 7 ans, c'est à peu près le même rythme de vie? Enfin, si je mets de côté l'arrivée de la petite fille hier. Oui, quelque chose près, oui. Ouais. Avec des hauts et des bas, avec une sorte de constante? Non, c'est constant. Hein. Ouais. Oui, c'est constant. Hein. Et vous avez des hauts et des bas? Ou vous êtes constante également? Non, moi j'ai des hauts et des bas. Il y a des fois où ça me pèse, quoi, c'est vrai. Je me sens seule à la maison. Vous connaissez bien la pêche au brochet? Ouais. Vous pêchez au moins? Pas du tout. Non. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Ensemble. L'amour déjà? Voilà, l'amour. Ouais, voilà. Ah, ouais, quand même. Vous êtes tous les soirs dehors, donc comment vous... Non, pas tous les soirs. Hein. En semaine, il est à la maison. Il est à la maison, mais dès que je vais me coucher, il joue 3-4 heures à la console. Donc... Vous jouez 40 heures, vous bossez 30... Ouais, 39. 39, attendant les 35. Voilà. Voilà, que vous guettez, je suis sûr, à la loupe. Voilà. si vous dormez 8 heures par jour, normalement, on a fait à peu près 24 heures on a fait les 24 heures, là. Non, mais je dors pas 8 heures par jour. Ah ouais, vous dormez moins que ça? Ouais, 4-5 heures. 4-5 heures. Voilà. Ça vous en laisse 3, donc pour... pour manger. Donc on va en compter 2 pour manger, il en reste une, donc. Voilà. Donc il reste 1 heure pour votre femme et votre fille. À peu près, ouais. Et on n'a pas parlé de votre passion pour le hard rock en plus. Oh, mais ça se fait. Vous partagez cette passion pour le hard rock? Oui. Vous allez dans les concerts? Vous n'êtes pas habillé exactement chez le même tailleur pour autant? Non. Vous aimez votre mari, j'imagine également. Oui. Vous avez envie d'avoir d'autres enfants encore? Oui. Ouais. Beaucoup? Bah, je sais pas, au moins un petit gars, quoi. Ah, vous? Oui, parce que vous avez une fille pour l'instant. Voilà. Ouais. Ouais. Pourquoi vous souhaitez avoir un garçon en particulier? Pour le jeu. Mais les filles, ça joue aussi parfois. Oui. Vous jouez pas avec les filles? Rarement. C'est à mon avis, il doit avoir un niveau en plus maintenant qui est difficile. Disons que je joue avec lui, comme ça je suis sûre qu'il reste à la maison. Ouais. Elle se débrouille? Non. Non. Je fais un effort pour jouer avec elle, quoi. Vous faites des efforts, donc. Vous faites quoi d'autre comme effort? Bah, je sais pas, des fois j'essaye de rentrer à l'heure, quoi. C'est quoi l'heure? Alors, en bref, c'est quand elle a téléphoné 2 fois, quoi. C'est pas une heure fixe, en fait, c'est une heure relative que... Voilà, c'est, ça marche au téléphone. Vous vous posez des questions, vous, sur l'avenir de votre couple? Bah non, pas spécialement, non. Pour moi, tout va bien, quoi. J'ai la belle vie. Et, oui, pardon. Moi, j'espère que ils sont un peu plus avec nous. Ça se fera. Ça se fera, vous pensez? Ouais, je pense, ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui? 29 ans. Sentimentalement, vous vous aimez? Oui. Oui. Sexuellement, sans entrer dans les détails, ça se... Très bien. Madame est contente? Très bien. Très bien. Ouais. Monsieur aussi? Ah oui. Ouais. Ça, à mon avis, il ne vous trompe pas. Enfin, je peux me tromper, mais... Non, non. Non, non. Si ça se trouve, elle vous trompe, elle vous le savez pas. Ouais. Oui, bah oui. Ça vous dérange pas plus que ça? Oh, une petite caresse, mignonne. Non, mais discuter, ça vous amuse? Ça vous intéresse? Ah oui, non, mais j'aime bien le dialogue. Hein. Ouais. J'aime bien les gens, j'aime bien... Vous n'êtes pas un sauvage, quoi. Ouais, voilà, ouais, en fait... Mais vous pensez au jeu, par exemple, là, depuis le début de l'émission, depuis le début de la journée, vous avez pensé à... Oui. Ouais. 3 heures de train. 3 heures de train, déjà. Voilà. J'aurais eu une Game Boy. Vous pouvez dire console de jeu, au lieu de citer les marques, ça nous arrangerait vis-à-vis du CSA, enfin, et des marques en général. Vous êtes confiante dans l'avenir, sérieusement? Oui. Ça s'est fait 2 fois qu'il dit qu'il fait des efforts. Vous avez l'impression qu'il fait vraiment des efforts, que ça va en s'améliorant ou pas? Répondez-moi franchement, Sylviane. En s'améliorant, non, ça stagne. Vous savez pourquoi vous aimez Laurent? Non. Peut-être pas le dire à l'antenne. D'accord, vantard. Vous avez déjà pensé à le quitter? Non. 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 Une vie de couple, ça signifie quoi pour vous, Laurent? Vivre en harmonie avec sa femme, quoi. Je crois que c'est comme ça, quoi. Le partage des rôles... Ouais, non, mais... C'est-à-dire... Non, je suis pas macho. Hein. Elle fait les courses, vous jouez, c'est le partage des rôles, en gros. Ben ouais, mais moi, je connais pas les courses à faire. Ouais. Vous travaillez également? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes malheureuse? Ah non, pas du tout. Non.
Non, j'aimerais juste qu'il me consacre un peu plus de temps, c'est tout. Mmh. En préparant cette émission, quand vous étiez un peu plus mesuré, vous disiez peut-être qu'à un terme, ça peut... Ça pourrait mettre notre union en danger. Si dans ces cas-là, il passe encore plus de temps à la salle de jeu, là peut-être que bon... Oh, moi, à sa place, je tiendrai pas. Hein. C'est clair. Hein. Et si Sylviane vous demandait de choisir entre elle et la console de jeu ou entre votre grande famille, parce qu'imaginez que vous faites quatre filles, vous fassiez quatre filles, vous allez continuer jusqu'à temps que vous ayez un garçon. Voilà. Ah, vous continuerez jusqu'à temps que vous ayez un garçon, quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a des gens qui ont huit filles, hein, ou neuf filles. Ou... Oui. Vous êtes prête, Sylviane? Pas trop, mais... Non, moi... Faut t'en aimer, on compte pas. Si elle vous donnait le choix, si elle vous donnait pas le choix, finalement, si elle vous disait choisis... Ouais, je pense qu'il faut jamais qu'une femme demande à un homme de faire un choix, quoi. Des fois, ça déçoit. Bon, c'est quoi, madame? Vous faites des grands yeux. Je trouve que c'est dommage un discours comme ça parce qu'ils sont jeunes et que le couple, c'est pas du tout ça en fait. Donc je trouve que chacun a le droit de s'exprimer et votre femme, elle peut faire un choix aussi. Ça, ah bah c'est oui, elle peut faire le choix, mais elle pourrait très bien être déçue par le choix que moi je lui annoncerai. Quoi. C'est tentant de poser la question malgré tout. Oui, moi, mais je serai madame console, je vous poserai la question. C'est Sylviane, madame console. Donc. Madame console, bonsoir. Ça vous console? Bon. Ben là, vous venez de dire un truc, Laurent, on va pas faire le petit show en 3 heures, mais vous venez de dire un truc, en gros, si vous disiez si elle vous demandait de faire un choix, elle serait peut-être surprise du choix que vous feriez. Donc il faut comprendre que vous choisiriez la console de jeu. Sûrement, ouais. Ouais. Si on devait être sur la planète pour s'emmerder, en fait... Si c'est pour aller marner pour toute une vie, non. Non mais là on parle pas de marner, on vous parle de promener, faire des activités avec votre famille, tout ça. Ouais, mais ça fait plaisir à ma femme. Ouais. Voilà. Donc vous le faites de temps en temps. Voilà. Pour faire plaisir à votre femme. Voilà. Et vous essayez de trouver un équilibre avec tout ça. Voilà. Je donne la parole à Denis Biget ou Biget, je sais pas. Non, Biget. Biget, bonsoir Denis. Denis. Bonsoir. Et lui aussi l'objet d'une grande passion, comme Laurent. Passion pour les voitures, pas toutes, celle de la famille des deux chevaux et des DS, pour ne pas citer de marque. Vous parlez d'une relation sensuelle avec vos voitures. Vous en avez combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine quand même, oui. Comment se manifeste cette relation sensuelle avec vos voitures? Ouais, je considère qu'une automobile, elle vous rend ce que vous lui faites. C'est-à-dire que si vous la conduisez mal, elle tombe en panne. Si vous l'entretenez, si vous la conduisez bien, bah, elle ne tombe pas en panne. Voilà. Et la sensualité là-dedans? C'est, oui, les rondeurs, les formes de la voiture, c'est plein de choses. Quel intérêt d'en avoir une cinquantaine? C'est pas 50 fois la même, c'est 50 différentes. Mais là, c'est, pourtant, elles se ressemblent bien quand même. Oui, elles se ressemblent bien, mais elles se ressemblent toutes, mais c'est 3 autos vraiment différentes. Votre femme savait que vous aviez cette passion avant de vivre ensemble? Tout à fait, j'avais 40 autos quand j'ai rencontré mon ami, et aujourd'hui, bah, la passion a grandi puisque j'en ai 50. D'accord. Est-ce que votre femme a accepté votre passion avec la même patience, la même douceur que Sylviane? Au début, oui, mais à la fin, il est de fait qu'elle l'acceptait nettement moins. Ça a évolué mal, on va dire. Petit à petit ou... Oui, petit à petit, oui. Et puis à la fin, dans les derniers mois, ça allait vraiment très mal. Comment ça se manifestait? Ça se manifestait qu'elle ne m'attendait plus pour aller se coucher, par exemple. Elle était moins patiente que madame, c'est vrai. Ouais. Elle ne me faisait pas manger tout le temps. Ouais. Ça, c'est de fait. Et puis, bon, c'était des engueulades par-ci, par-là. De plus en plus fréquentes, quand même. Faisait la tête aussi. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle me reprochait de passer plus de temps avec les voitures qu'avec elle ou avec les enfants. C'était le cas? Un petit peu. Elle a fini par partir, vous l'avez vu arriver, le fait qu'elle parte? Je l'ai vu arriver, mais c'était un tout petit peu tard. Quand j'ai vu le derrière de la voiture, je l'ai vu arriver, oui. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle est partie sans autre forme de procès, sans crier gare, sans vraiment le dire, quoi. Elle est partie en vacances avec les enfants et elle est parvenue. Si on revient sur cette période de 5 ans où ça s'est dégradé petit à petit, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait des erreurs, vous, que vous auriez pu... trouver un juste milieu pour que l'amour puisse continuer? J'aurais pu y penser moins, c'est vrai. Ça, c'est certain. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est une très bonne question, oui, je sais pas. C'est une fois que c'est arrivé qu'on y pense, c'est pas sur le moment. Et puis, la passion, comme monsieur, la passion, elle prend toujours le dessus, c'est clair. Donc, bon, pour moi, même dans mon travail, je suis commercial, j'y pense tout le temps, les voitures, enfin, les voitures anciennes, j'entends. Hein. C'est quelque chose auquel je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez sa passion à lui? Tout à fait. Oui. Vous comprenez que sa femme puisse ne pas l'avoir supportée? Ouais, mais bon, si elle l'a connu, il avait déjà 40 voitures. Ça semble logique que le gars, il n'a pas arrêté du jour au lendemain. Quoi. Et vous, Sylviane, vous en pensez quoi?
Je sais pas. C'est dur quand même. Qu'est-ce qui est dur? Bah, le fait qu'elle soit partie. Vous avez quel rapport depuis? Quelle relation? Bon, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir les enfants, on a discuté. Bon, pas comme avant, c'est vrai, mais bon, on a des rapports un peu tendus, mais pas mauvais. Des rapports amoureux encore? Ah non, pas du tout, ça c'est clair. Ouais. Vous voyez vos enfants régulièrement? Chaque fois que je le veux. D'accord. Il suffit que je l'appelle, je vais les voir. Moi, c'est une façon de s'arranger pour que... C'est une façon de s'arranger, oui. Mais vous n'avez pas l'air super épanoui pour autant? Ah non, c'est clair. Ça qu'elle vous manque? Les enfants plutôt. Oui, elle aussi, mais les enfants aussi. Ouais. C'est-à-dire, malgré vos 50 voitures, quelqu'un peut vous manquer? Absolument, oui. Tout à fait. C'est dur d'expliquer qu'on puisse avoir un boulot qui nous prend du temps, une passion dévorante. Débordante. Et en plus de ça, l'envie d'avoir une vie d'amour, une vie de couple et une vie de père. Ouais, on n'a pas eu des enfants pour les laisser partir comme ça et pour rien, quoi. Hein, je les ai eus parce que je voulais et je voulais partager la vie avec eux, avec cette femme. Bon, il s'avère qu'elle n'a pas su partager la vie et ma passion avec moi, donc bon, elle est partie. Vous le regrettez? Vous regrettez d'avoir agi comme ça ou... Oui, tout à fait, oui. Ce serait à refaire, je réagirais différemment. Ah oui? Quand même. C'est-à-dire que vous passeriez un peu plus de temps avec votre femme? J'essaierais de passer plus de temps avec elle, c'est sûr, de faire plus d'efforts. Vous avez réagi comment en regardant le reportage sur la vie de Sylviane et Laurent, en les écoutant parler? Je trouve que madame est très patiente. Chapeau, hein. C'est mignon. Je demande à Sylvain Mimoun de nous rejoindre. Hein, Sylvain? Sylvain Mimoun, de nous rejoindre. Bonsoir, docteur. Il est gynécologue, andrologue, somaticien, psychiatre. Est-ce qu'il arrive fréquemment, dans les différentes consultations que vous avez, que la passion de l'un des deux mette vraiment le couple en danger? Assez fréquemment, quand ça touche ce degré de passion, c'est évident que le couple devient en danger. Soit parce que, comme on vient de le voir, la femme ne supporte pas. Néanmoins, il peut y avoir aussi la passion de l'autre côté. Hein. La femme aussi peut être une passionnée et c'est le mari qui ne supporte pas. Ce qui importe, C'est aussi fréquent, les non, deux. Non, c'est moins fréquent. Ouais. Alors, ne me demandez pas statistiques, mais non, globalement, je pourrais même dire qu'il y a 8 hommes pour 2 femmes. D'accord. Hein, donc, en gros, pour donner un ordre d'idée. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une passion, le passionné ne pense qu'à sa passion. Et le reste, il a envie que ça soit immuable, que ça soit là, que la maison soit là, les enfants soient là. Quand ils rentrent, on sourit. Il y a même des fois où ça devient presque cocasse. Parce que là, on parlait du rapport amoureux et on disait que ça allait bien. Il y a même un couple qui a pu dire, les deux étant là, l'homme disant, pendant les préliminaires, je trouvais que ça durait trop longtemps et je me disais que j'irais bien jouer. Hein? Bon, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça prend quand même une proportion dramatique. Ça prend la tête, quoi. Ça prend la tête au sens... Mais c'est difficile de commander sa passion, même par définition, on ne doit pas pouvoir contenir une passion. Non, mais déjà, pour vouloir la commander, il faut avoir envie de la commander. Oui. La vraie difficulté, c'est pour ça que je disais que c'est un dialogue de sourds, c'est qu'en fait, on va discuter sur l'heure de rentrée, on va discuter sur... combien, alors quand vous on demandez, va concéder, bon. Voilà, quand vous dites à quelqu'un tu joues combien, alors il va vous dire 2 heures, ça veut dire au moins 4 ou 5 ou 6. Hein, de toute façon, il minimisera toujours. Quand un homme est bouffé par la passion, que ce soit pour l'alcoolique ou autre chose, c'est un peu la même chose. Si à un moment donné, il s'en rend compte pour lui-même et qu'il en souffre et qu'il a envie de régler le problème, alors là, il a une demande pour lui, pas pour l'autre. Et là, quelque chose peut commencer à se faire. Ça veut dire que dans le cas précis, là, par exemple, sa femme ne peut rien y faire, quoi. Sa femme ne peut rien changer. Comme ça, non. Enfin, je dirais que c'est très difficile de dire, voilà. En tout cas, c'est sûrement pas... La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour le moment, il a de la chance. Tant qu'elle lui concède, qu'elle lui demande finalement une demi-heure de plus ou une demi-heure de moins, bon, là, il pourra toujours s'arranger. Mais la vraie difficulté, c'est qu'en fait, si elle demandait réellement son désir, peut-être qu'elle voudrait qu'il ne joue qu'une heure par jour, alors que lui, il voudrait... Vous pouvez répondre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas parler de ce couple en particulier. Il est clair que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est vrai que globalement, quand on est bouffé par la passion, le passionné a besoin de prendre du recul par rapport à sa propre passion. En général, on est passionné, surtout c'est même plus qu'une passion, c'est être dévoré. C'est que finalement, il faut remplir du vide. Par la bouteille, par exemple. Hein, vous le disiez, Sylvain, vous intervenez tout au long de l'émission. On va donner la parole à Valérie, qui s'est mariée à 27 ans avec un médecin. Avec un médecin qui subissait par ailleurs donc une autre forme de dépendance. Vous l'avez découvert quand et comment, après votre rencontre?
Eh bien, je l'ai découvert un an après mon mariage, tout à fait, j'allais dire, par hasard. On était heureux. Moi, je pensais qu'à 27 ans, j'étais assez mûre pour trouver l'homme de ma vie et que ça allait durer toute la vie. Et en fait, donc, on est parti en province. Mon mari venait de faire une création, la création d'un cabinet. Petit à petit, au fil des jours, j'ai réalisé qu'il n'était pas très très en forme physiquement. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je lui disais, mais écoute, tu n'as pas l'air très bien, tu devrais aller voir un de tes confrères. Et il refusait. Un médecin, aller voir un médecin, c'est compliqué. Et pour finir, au bout d'un an, un jour, je l'ai vu cracher du sang. Et j'étais persuadée qu'il avait un ulcère, parce qu'il se plaignait de l'estomac. Et alors là, ça a été plus fort que moi. Là, je lui ai dit, écoute, maintenant, je t'emmène à l'hôpital et on va voir quelqu'un. J'étais persuadée qu'on allait me dire qu'il avait tout simplement un ulcère. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qui vous a dit quoi? Et là, finalement, on est allé en gastro-entérologie et c'est un gastro-entérologue qui est venu me voir, persuadé que j'étais au courant. Il m'a dit, mais comment votre mari ne sait même pas qu'il est alcoolique? Il est alcoolique? Il me dit, bah, oui. Enfin, il m'a envoyé sa figure comme ça. Vous êtes restés combien de temps ensemble en tout? En tout, 13 ans. 13 ans, c'est-à-dire que pendant 12 ans, vous avez su qu'il était malade. Avant ça, il buvait en cachette, pour raconter un petit peu, pour aller un peu vite, il se levait avant vous le matin. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vraiment... Enfin, on s'est rencontrés. Mon mari venait d'un milieu très élevé, enfin, la haute société parisienne. Il était médecin, c'était un bel homme, il avait tout pour plaire. J'avais jamais vu, enfin je croyais en tous les cas, n'avoir jamais vu d'alcoolique. Puis comme pour beaucoup de personnes ici certainement, moi l'alcoolique c'était le clochard que je voyais sous les ponts, c'était tout. Mais un bel homme comme ça, il avait tout pour plaire, c'était le rêve qui commençait pour moi, c'était à tout point de vue. J'étais catholique, pratiquante, je devais avoir un seul homme dans ma vie et c'était vraiment le rêve qui commençait. Vous n'avez rien vu ou vous n'avez rien voulu voir à votre avis? Enfin, on dit souvent que pour nous, c'est le déni. Ceci dit, c'est vrai que j'ai mis vraiment beaucoup de bonne volonté dans ce déni. Parce que mon mari m'a dit après, quand il a pu en parler, qu'en fait, pendant toute cette année où je n'ai rien vu, où nous avons vécu ensemble, qu'il se levait à 6h du matin parce que ses mains commençaient à trembler, il ne voulait pas que je le voie. Et il allait boire du whisky dans son cabinet. C'était un local mixte. Hein, oui. Et puis il se mettait du parfum aussi pour que ça ne sente pas. Alors je n'ai pas senti ni le whisky ni le parfum, je n'ai jamais rien vu à ce moment-là. Pendant un an en tout cas, jusqu'à... Et puis ensuite, il y a eu ces 12 ans de vie commune alors, qui ont continué. Vous avez essayé de lutter, donc j'imagine que vous êtes organisé. Vous aviez une vie sentimentale quand même? Excusez-moi, vous aviez une vie amoureuse, une vie sexuelle? Vous partagez des activités ensemble? Oui. Comme activité, c'était surtout l'activité du cabinet qu'on partageait. Vous travaillez avec lui? C'était vraiment... Oui, je travaillais avec lui. C'était vraiment sa passion, enfin, avec l'alcool. Et puis c'est... Je parle des relations amoureuses, des relations sexuelles, alors. J'allais dire, notre objectif, c'était surtout de fonder une famille heureuse, comme on n'avait pas vraiment eu chacun. Et c'était vraiment un idéal, en fait. C'était un rêve. Vous avez eu des enfants, ça? Oui. Ouais. Une fille et un garçon. Et j'étais persuadée que c'était le fait d'une... Nous avons eu beaucoup de mal à avoir des enfants. J'ai fait 5 fausses couches. Et je me disais qu'en fait, quand on aurait un enfant, tout s'arrangerait. On a eu une première fille et... Ça ne s'est pas arrangé. Et après, un garçon, et puis ça ne s'est pas arrangé non plus. À partir de combien d'années vous avez commencé à en parler ensemble? Très vite, si vous voulez. Quand le gastro-entérologue m'a expliqué ce dont il s'agissait, il m'a dit, écoutez, il y a un moyen très simple, votre mari étant médecin, il y a un moyen très simple pour qu'il accepte le fait qu'il soit alcoolique, c'est qu'il y a un taux, le taux de gamma-GT qui ne trompe pas. Il est très élevé chez votre mari, je vais lui montrer les résultats. Et même devant ces résultats, mon mari continuait à nier, enfin c'était lié à sa culpabilité, lui il savait ce qu'il avait. Comment vous êtes séparés au bout de 13 ans? Malgré nous. Malgré vous? Oui. Malgré vous, vous? Malgré moi, malgré mon mari. On n'avait pas du tout, enfin moi en tous les cas, je n'ai pas du tout l'intention de me séparer, malgré la
la dureté de l'épreuve qui n'en finissait plus. J'avais vraiment l'intention... Il était violent, par exemple et... Non, au contraire, il était très doux, très gentil. Et un jour, parti dans un grand élan de romantisme, j'avais dit que de toute façon, je resterais avec mon mari jusque dans le ruisseau, s'il fallait que je le suive jusque-là. Fort heureusement, j'ai eu cet élan de vie qui m'a emmenée... Qui m'a fait me sauver et sauver mes enfants. Et donc... Qui avait quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, je sais pas, 8 et 6 ans. 8 et 6 ans, oui. Vous l'aimez encore? Oui, je l'aime, mais d'un amour véritable, j'allais dire un amour... Pour moi, l'amour, c'est l'acceptation, maintenant. Nous sommes séparés, hein, mais l'acceptation de la personne dans sa globalité. Avant, je voulais qu'il soit selon mes désirs, selon mon rêve. Et en fait, c'est un malade alcoolique. Et il est toujours médecin? Il exerce toujours? Il ne peut plus exercer, non. La vraie difficulté, est-ce que lui avait envie à un moment donné de s'en sortir ou non? C'est dur à mesurer, moment. Ça. Oui, si. Ah oui, absolument. Parce que c'est vrai que le rapport du couple là-dedans, il y a un jeu qui est très difficile. Vous parliez d'être malade, je n'irai pas jusque-là. Mais disons qu'il y a un jeu systémique, comme on dit, c'est-à-dire que dans le système couple, le conjoint joue un rôle, qu'on le veuille ou non. Par exemple... La femme de l'alcoolique, classiquement, hein, je ne parle pas de vous, madame, classiquement, la femme de l'alcoolique dit « arrête de boire ». Et l'alcoolique dit « je ne bois pas ». Donc, il y a une sorte de négation des deux côtés. Dialogue de sourds. Ouais. Où quelqu'un parlait tout à l'heure de « c'est la soupe à la grimace ». Donc, il y a le jeu qui se répète en permanence. Et du coup, on s'installe dans ce jeu de rôle. Voilà, on a l'impression que ce qui ne va pas, c'est justement la soupe à la grimace. Mmh. Alors que ce qui ne va pas, c'est ce qui se passait avant. C'est la cause de la soupe à la grimace. Et c'est ça qui est... Ouais. Vous aviez l'impression de vous sacrifier pour lui, d'avoir à vous sacrifier pour lui? Que c'était votre rôle d'être la sacrifiée? Oui, enfin, ouais. À tour de rôle, on changeait de rôle chaque fois. Ouais. On s'en rend compte de l'intensité de votre relation amoureuse pendant toute cette période-là. Il y avait des grands élans de tendresse, de oui, complicité, et des moments d'incompréhension, des bagarres, des disputes. Non, pas de bagarres. Ce qui était terrible, si vous voulez, c'était cette mort latente, cette mort constante, en fait. Mais progressive, ça. D'autant qu'on avait quitté tous les deux notre famille. On était dans un milieu qui nous était complètement étranger et hostile. Dans une province qu'on ne connaissait pas. Et pour moi, c'était tout. Mon mari, c'était tout pour moi. Et quand il avait bu, j'étais seule, j'étais toute seule. Vous disiez qu'il était très gentil, au contraire, très doux. Oui, mais quand il avait pris de l'alcool, il dormait, il n'était plus là. C'était plus lui. Et même avec de l'alcool, quand il ne dormait pas, c'était plus lui, quoi. Peut-être une question à Sylvain Mimoun sur est-ce qu'un couple peut survivre globalement si l'un des deux conjoints ne réagit plus ou n'agit plus que par compassion ou par sacrifice, quoi. Ça tient un temps. Ça tient un temps tant que ça nourrit justement ce vide ou ce besoin affectif. Ou avoir l'idée, ça c'est un vieux fantasme toujours du conjoint, de se dire avec moi je vais le changer. Hein, ça c'est l'histoire éternelle de se dire je vais arriver à le changer. Et jusqu'au jour où on est fatigué de ne pas pouvoir changer l'autre. Et puis tant que l'autre joue le rôle de se laisser changer, mais de négocier pour gratter, si je puis dire, quelques minutes, etc. Quelques heures à ce moment-là, ça tient la route. Ouais. À partir du moment où l'autre est en train de craquer, c'est vrai que si je repense au monsieur qui avait la passion des voitures, on pourrait imaginer que si elle lui avait dit quelque chose, Denis, avec autant d'intensité, mais juste avant de claquer la porte, peut-être que les choses auraient pu se jouer, parce que là, il aurait pu jouer un autre rôle. Peut-être, Denis. Mais malheureusement, quelquefois, ça se joue trop tard. Ouais. Ça aurait pu. Oui. Je suis convaincu que ça aurait pu. Vous en avez parlé avec elle depuis, puisque vous avez des relations. Non. Non, c'est voilà. C'est fini. Donnez la parole à Claude maintenant. Je vous remercie, Valérie. Vous reprenez la parole hein, si vous le souhaitez. Claude, bonsoir madame. Vous êtes l'ancien mari de Valérie, dépendante. Alors elle non pas de l'alcool, mais de l'argent. Vous êtes incapable de réfréner vos dépenses à tel point que vous mettez votre couple en danger. Est-ce que je résume bien? Oui. C'est-à-dire, vous avez toujours dépensé plus que ce que vous aviez? Ah oui, toujours. Toujours. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est maladif, je pense. Pour acheter quoi? Des choses nécessaires ou du superflu? Superflu. Acheter pour acheter? Oui, pour acheter. Ça vous... C'est un besoin. Mais quoi, par exemple? Acheter quoi, par exemple? Ben, acheter des habits pour mes enfants, en quantité anormale. Souvent? Tous les jours. Est-ce que votre mari était au courant de cette prodigalité? Il n'était pas au courant. Maintenant, oui, du fait des nombreux découverts.
Ouais. Et des interdictions bancaires, bien sûr. Ça a duré combien de temps avant qu'ils s'en aperçoivent? Ça a duré 3 ans, 3-4 ans. Et comment on peut dépenser pendant 3-4 ans plus d'argent qu'on ne le dit, ça finit par se voir? Je veux dire, c'est vous qui faisiez les comptes à la maison? Tout à fait, c'est moi qui faisais les comptes au début, et donc il ne voyait rien du tout. Hein. Et du fait de son métier, il était souvent absent, donc il ne voyait pas. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Toujours ensemble. Vous essayez de vous soigner? Ah ben non, ça me plaît. Mais quoi, ben non? Ben ça me plaît. Mais qu'est-ce qui vous plaît précisément à dépenser de l'argent que vous n'avez pas? Je sais pas, de faire plaisir à mes enfants, et puis j'ai toujours vu ma mère comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui, votre mari? Il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol, oui. Il y a eu des cassures, hein, puisqu'on s'est séparés 2 fois. Et puis, il est revenu et... Et par exemple, comment votre mari s'est aperçu que vous n'aviez pas payé le loyer pendant plus d'un an? Ben, par des lettres commandées, par des huissiers qui venaient à la maison. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait entre vous deux? Bah, des disputes, hein. Des disputes. Hein. Beaucoup de disputes, bien sûr. Mais comment vous parvenez à vous expliquer? Parce que vous dites des habits pour mes enfants, des cadeaux pour mes enfants, donc c'est aussi, j'ai l'impression, une manière de se déculpabiliser, c'est pour faire plaisir à vos enfants. Oui, mais pour me faire plaisir à moi-même. À vous aussi, ouais. Oui, bien sûr. C'est le plaisir de dépenser. Et comment vous arrivez à faire comprendre ça à votre mari? Mais je peux pas y faire comprendre, je le fais dans son dos. Encore aujourd'hui, hein. Je le fais dans son dos. En plus, il regarde pas trop, donc il regarde pas trop ce qu'ont les enfants. Donc j'arrive à cacher plein de choses. Avec la complicité de vos enfants? Des grandes, oui. Comment ça se passe? Perpétue, même chez vous. Ben, je fais des achats et soit je les cache dans ma voiture puisque j'ai ma propre voiture. Et pour les rentrer à la maison, s'il est là, je vais les rentrer par la fenêtre. Bon, ça vous les donnez à votre... À ma fille aînée, qui va les cacher en dessous son lit. Et qui vous dit merci, maman? Pas toujours, mais oui. Ok, aujourd'hui, vous payez le loyer, par exemple? C'est lui, maintenant. Ah oui. Mais... Vous en avez tout avec les huissiers? J'en ai toujours 2. J'ai 70 000 francs de découvert. Vous gagnez votre propre vie? Vous travaillez? Non, je travaille plus. Je lève mes enfants, mais j'ai de bonnes ressources quand même. Donc, je me débrouille. De bonnes ressources, c'est-à-dire? Beaucoup d'énergie? Non, vous voulez dire pas... votre mari vous donne beaucoup d'argent? Comment vous... Il ne me le donne pas, je le prends. Comment vous le prenez? Ben, je le prends sur le compte, je le prends. Vous avez toujours un compte commun, par exemple? Non, on a 2 comptes séparés, mais j'ai la procuration sur son compte. Oui, ça revient au même, ouais, d'accord. Mais pourquoi il vous laisse comme ça? Parce qu'il pourrait vous protéger de vous-même et vous protéger de toute la famille, en fait, hein, en faisant en sorte de contrôler toutes les dépenses importantes du couple, au moins, non? Pourquoi est-ce qu'il vous laisse faire encore, à votre avis? Ben, peut-être qu'il a encore un peu confiance. Hein. Vous pensez que plaie d'argent n'est pas mortel, que c'est pas très grave? Tout à fait. Vous culpabilisez, pour vous, c'est pas très grave, quoi. Ah non, c'est pas grave. Hein. Du moment qu'il y a la santé, l'argent. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en péril votre couple? Est-ce que vous dites qu'il me fait encore. Ouais. Oui. Oui. Il y a eu 2 séparations de combien de temps? Oh, pas très longue, 1 mois et 1 semaine. Ça peut peut-être devenir plus grave alors si vous vous séparez, non? J'arrêterai pas de toute manière. Hein. Ah. C'est plus fort que l'amour? C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'aimerais lui poser une question. Est-ce que vous en voulez à votre mari ou est-ce que vous en voulez au départ à votre enfance? Si votre mère a fait la même chose, est-ce qu'elle travaillait? Elle travaillait. J'en veux plus. Peut-être plus à ma mère, oui. De m'avoir, de nous avoir éduqués comme ça. Je me souviens de ma mère, quand j'allais au collège, on sortait du collège, on avait une boutique qui était en face du collège. Et on achetait ce qu'on voulait, et ma mère, en fin de mois, passait payer. C'était comme ça. Donc, elle nous a habitués comme ça. À ne pas compter. À ne pas compter. Et même à dépenser au-delà. Parce qu'il m'arrive de ne pas avoir d'argent, et j'arrive quand même à dépenser. Vous auriez supporté, Paul, que votre femme dépense comme ça de l'argent, vous pensez? Mais ce que vous savez... C'est pas moi. Jusqu'ici, on a vu des gens qui avaient beaucoup de défauts, mais tout le monde en a des défauts. Et ce qu'il faut dans un couple, c'est tâcher de faire coïncider que les défauts ne soient pas trop importants, quoi. De manière qu'il n'y ait pas de brisure, c'est ça qui est important. Est-ce que vous vous méprisez ou est-ce que vous vous respectez?
Êtes-vous fier de vous? Non. Mais non. Oui et non. J'aime être comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais non, je me méprise pas du tout. Hein. Laurent, vous en pensez quoi, vous? Ouais, je sais pas, peut-être un jour ou l'autre, c'est les enfants qui vont devoir payer les erreurs, non? C'est les enfants qui? Qui vont devoir payer les erreurs, quoi. Non, s'il y a trop d'argent, que... s'il y a trop de dettes, il faut bien que quelqu'un les paye, quand même. Ou alors ça va finir en prison, quoi. Je sais pas. En prison, alors, il n'y a pas de vous sentez que vous, mettez en, vous, vous pouvez vous mettre en danger, mettre oui, en danger bien sûr. Oui. Oui. Non, ce qui est important, c'est ce qu'elle a dit, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, et quand vous parliez de maladie tout à l'heure, la maladie, c'est quand ça nous tombe dessus et qu'on ne sait pas comment faire sans ça. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à dépenser, peu importe ce qu'on achète, parce qu'en fait, c'est, on peut avoir 60 paires de chaussures et en acheter une 61e. Et ce n'est pas cette paire de chaussures qu'on aime plus. À la limite, on peut l'acheter sans la regarder. Ce qui compte, c'est le plaisir, et là je souligne le mot, le plaisir de dépenser. On dit psychanalytiquement que c'est un plaisir libidinal, c'est-à-dire que c'est un plaisir sexuel dans la tête. Mais pas au sens de l'acte sexuel, c'est au niveau de la jouissance. Après, il y a on une recherche une satisfaction, comme on dit, satisfaction. Comparable. Mais l'ennui, c'est que c'était une jouissance oui. sans fin. Vous sentez, Claude? Oui. Parce que c'est un plaisir, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Et ouais. Malheureusement, c'est sans fin. Et c'est ça qui est... Il n'y a pas de phase de latence, non, si puis, je puis dire puis, après. Ouais, c'est ça, puis Claude n'a pas du tout envie de se faire soigner pour autant, même si ça peut conduire jusqu'en prison, comme le soulignait Laurent avec son bon sens. Tout à fait. Ouais, je vous en prie. Je vais poser à la dame. Votre mari vous a jamais enlevé la procuration? Non, il n'a pas intérêt. Mais il n'a pas intérêt, dis donc. Dis donc. Bah, non. Pourquoi il n'a pas intérêt? Il aurait peut-être intérêt, au contraire. Non. Dans ces cas-là, il est complice, quoi. Ben, peut-être, oui. Ouais, son entourage, elle l'aide pas. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas intérêt? Pourquoi vous dites qu'il n'a pas intérêt? Ben parce que si j'ai plus le plaisir de dépenser, je partirai. Je prends mes enfants et je pars. Ouais. Oui, monsieur, je vous prie, si vous voulez réagir. Je suis étonné parce que... François Colcombe. Oui. Madame, donc, tous ces exemples qu'on a avec monsieur, avec madame, voilà. Ce sont des cas très égoïstes quand même. Ils vivent un peu que pour eux. Et je ne comprends pas qu'ils aient fondé un foyer malgré ce genre de choses et malgré les défauts qu'ils ont, qu'ils connaissent. Et cette dame... Non, on n'est pas tous parfaits. Hein. Non, mais loin de là, quoi, je veux dire. Non, mais ce n'est pas un jugement, c'est une constatation fait mieux, que je fais. Et cette dame dit que sa mère est exactement comme elle, mais pourquoi répète-elle la même chose avec ses enfants? Ça, c'est la fameuse répétition du schéma, monsieur Mimoun. C'est, oui. C'est le fameux schéma malgré elle. C'est ça, tout le problème, c'est le malgré elle. La seule chance que ces personnes peuvent avoir, c'est si à un moment donné, elles prennent conscience, ces personnes, qu'il y a quelque chose à changer et qu'elles aient envie de changer. Tant que la personne elle-même ne se dit pas « je ne suis pas bien d'être dans cette situation et je veux changer pour moi », les choses ne peuvent pas changer. Et vous n'en êtes pas d'accord. En effet, on peut changer de mari. Et vous n'en êtes pas d'accord. Non. Merci. Merci. Ça va? Très bien. Ben oui, ça a l'air. Vous êtes marié, monsieur et madame Colcombe, depuis une trentaine d'années. Avant que vous preniez votre retraite, François, il y a 2 ans, vous aviez passé combien de temps ensemble, à peu près? Pendant 30 ans de mariage? 8 ans. 8 ans, 30 ans de mariage? Entre 8 et 10 ans, quoi, si je puis dire. Un tiers du temps? À peu près, oui. À peu près. Bon, on va voir dans un instant, grâce à un reportage de Cyril Chamalet, qu'il y a quelques tensions dans votre couple. Depuis que vous êtes revenu sur Terre, et c'est pas un jeu de mots, depuis que vous êtes vraiment sur Terre, est-ce qu'il y en avait avant des tensions comme celle-ci? Oui, il y en a eu des tensions dues à le reportage dont on aura, à des problèmes avec des enfants, avec nos enfants, et puis, le fait d'être séparés, quoi, aussi. Non, je ne pense pas qu'il y avait autant de tensions à cette époque-là. Je pense que les tensions qui existent à l'heure actuelle, c'est le fait qu'ils soient tout le temps à la maison. Donc il faut apprendre à vivre ensemble. À quel âge, monsieur? Ben, j'apprends. À quel âge? On apprend à tout âge, c'est ça? J'apprends à tout âge et je réapprends à vivre avec mon épouse. Et vous apprenez vraiment? Vous essayez d'apprendre vraiment? Oui, ben, je suis bien obligé. Mais j'essaie tout de même, parce que je pars du principe que si, vous voulez, si on veut que le ménage continue, qu'il soit fort, ben, il faut qu'il y ait des concessions, merci, des deux côtés. Ouais. Et vous, madame Guylaine, vous pensez quoi, vous? Oui, la même chose. Je pense que ça se mérite. Ça se mérite tous les jours. Qu'est-ce qui est dur à supporter dans votre vie quotidienne? Parlez sans crainte. Je
Il n'y a pas de témoin. On est là pour ça, pour discuter ensemble. Oui. Ouais. Je crois que c'est... Si vous voulez, à bord, y commander. Et à la maison, y commande. Alors, je pense que, de toute façon, dans un ménage, il faut qu'il y ait un commandant. Vous pensez ça vraiment ou c'est lui qui vous l'a dit ? Non, 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 mais quand il revenait pendant les congés, j'étais ravie de lui rendre ce que j'appelais les clés du gouvernement. Mais maintenant, il faut que je lui donne les clés du gouvernement. Tout le temps. 365 jours par an. C'est dur ? Oui, oui, parce que j'ai appris à gérer ma vie, enfin notre vie, avec nos enfants, toutes seules, et je dois reconnaître que... C'est pas la même limonade. Non. Non. On va regarder ce reportage, on en parlera peut-être plus facilement ensuite. C'est une rencontre mouvementée, une rencontre de deux patrons finalement, qui ont du mal à se céder le pouvoir, ou à partager le pouvoir. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Karen Saringa. Ce sont des lettres que j'écrivais pendant l'absence de mon mari, où je lui mettais tous mes états d'âme. Je m'étais habituée à t'entendre régulièrement. J'avais l'impression que tu n'étais pas complètement partie. Mais tout cela est bien fini. Enfin, dans moins d'un mois, tu seras là. Il faut donc être raisonnable, mais qui peut dire que l'amour est raisonnable? Une lettre que vous pourriez écrire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais maintenant, je suis content que tu sois partie, je peux respirer. Ça fait trop longtemps que tu es à la maison. ça me permettra d'être... Ça va me permettre de refaire le point un peu. Et de souffler. Qu'est-ce que je dirais maintenant? Je dirais toujours que je l'aime, bien sûr. Même si par moments, j'ai envie de le flanquer à la porte. Guylaine et François sont mariés depuis 30 ans. François travaillait dans la marine marchande, tout le temps absent pendant sa carrière. Il est aujourd'hui à la retraite, c'est-à-dire tous les jours à la maison. En fait, ma femme, elle a de la chance parce que les maris savent tout faire, même mettre le couvert. C'est sûr, hein, madame. Mais il fait... Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai qu'il fait le couvert, il sait faire beaucoup de choses. C'est bien le problème. C'est que quand je ne fais pas quelque chose de correct, ils m'ont fait la remarque. Alors, je peux pas lui dire d'aller se faire cuire un œuf parce que il sait le faire. Guylaine et François ont eu trois enfants handicapés. Avec l'absence du père pendant ses 25 ans de navigation, c'est surtout Guylaine qui s'est occupée d'eux. Elle a bâti une relation privilégiée avec ses enfants, une relation dont le père était souvent exclu. Papa, c'est quoi ça? C'est pour la fête de Renaud. Pour la fête de Renaud, oui. Moi, je t'ai pris du pain. Bon. Aussi, allez, tu vas le mettre dans la cuisine. Hein? Ça va? Oui. Bon. Il est tout content. Oui, content. Ben, dis donc, t'as un pantalon, hein? Voilà. 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 Allez, vas-y. C'est une vraie vie de famille, comme vous l'avez rêvé. Là? Oui, oui. Ce moment-là. Oui, oui, oui. Je pense les enfants et nous, moi, tout au moins, qui suis le pilier, qui a été le pilier pendant longtemps, parce que j'étais la seule personne présente, nous sommes très très unis et assez liés, peut-être, aux grandes dames de mon époux. Mais nous aurions eu des enfants normaux, ça ne serait passé autrement, mais c'est certain que c'était un ciment, encore une fois, ça a été vraiment... Ça aurait pu faire éclater notre ménage, oui. Ça aurait pu faire éclater notre ménage. Oui. Ça va? Ouais. Ça va? Tu veux dire bonjour à Renaud et Guitry? Tu vas voir Renaud et Guitry, Renaud. Renaud et Guitry, regarde Renaud qui t'attend. Bonjour. Ça va? T'as bien dormi? D'accord. Bien dormi? Bonjour, papa. T'as bien dormi? Dormi bien? Non. Bon. Bonjour, Renaud. Oui, ça va? Bon, ben, Renaud, tu peux continuer? Renaud, tu peux continuer? Non, mais regarde, Renaud. Renaud, regarde. Ne rigole pas, c'est pas la peine. Pousse, Gwen. Voilà. Mais il croit qu'il peut plus. Ben, Renaud, faut pas marcher, faut pas rouler sur le bois aussi. Mais pas calme, mais... Il faut faire attention. Votre maison, c'est un peu comme sur un bateau, non?
Ah oui, ça pas, non, c'est pas organisé comme sur un bateau, parce que sur un bateau, il y a les horaires, tout ça. Vous donc, vous reprochez pas lui, un peu moi. Votre femme de régenter un petit peu la maison comme ça? Quand c'est excessif, elle me le dit, oui, et puis elle a raison, c'est vrai. Mais bon, ben, il faut un patron, hein, il faut un chef. Hein. Si on est deux chefs, ça marche pas, il doit la foi. Vous êtes déjà disputé un petit peu violemment? Oui, ça nous est arrivé, oui. Pour quelle raison? Toujours des peccadilles. Ça peut être... Ça peut commencer par un maghreb assez cuit. Ou trop cuit. Ou trop cuit. Bon. Vous êtes critiqué souvent, madame? Oui, parce que... Enfin, devant moi, peut-être que dans mon dos, il est très fier de sa femme, mais... Mais devant moi, il me dit toujours, tu pourrais faire mieux, ou si j'étais toi, j'aurais fait ça comme ça, ça aurait été beaucoup mieux. C'est pour que tu sois meilleur. C'est pour te perfectionner. Oui, mais la femme a besoin d'encouragement. Ça, c'est une chose que tu n'as pas saisie. Justement, celle qui est à la maison a besoin qu'on reconnaisse ses qualités. Faut pas tous les jours dire, c'est parfait, c'est merveilleux, les petits oiseaux chantent, c'est formidable. Tout ce que tu fais, c'est merveilleux, alors que c'est de la merde. Non, on va pas le dire, quand même. Non, t'as pas honte de dire une chose pareille. Pas pour toi, hein. Parce que là... Vous pensez à la séparation, à ce moment-là, madame? Ça m'est arrivé, oui. Oui, oui, ça m'est arrivé. Peut-être qu'elle serait capable de partir, oui, dans les moments forts. Moments forts, mais je pense qu'elle reviendrait. T'es sûr de toi, hein? Mais je suis pas sûr de moi, non. Mais, moi, je serais pareil, hein. Dans les moments forts, bon, je serais pas capable de prendre la voiture, de prendre le train, de partir. Hein, mais pour 24 heures ou 48 heures, mais je suis sûr que je serai malheureux après. Et je reviendrai à quatre pattes, à plat ventre. Te demander pardon. Ils se disputent souvent, tes parents, comme ça? Quelques fois. Mais... Là, le pont... Souvent. Le pont... Oh. Ça te gêne? Ouais. Ça t'embête? Ça t'embête? Mais... Un peu, oui. Un peu, je t'embête, oui. Parce que tu crois qu'on va divorcer? Oui, je crois que tu divorces, oui. Tu aimes, ouais? Tu aimes si on divorce? Non. Non, je n'aime pas, je pas. Tu aimes pas le divorce? Ouais. Tu y as pensé déjà? Oui. Ma femme, elle a besoin que je lui dise aussi... Très souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais j'ai pas besoin de lui dire je t'aime, je l'aime, de toute façon. Je l'aime par des tas de... Par ça, des c'est ta... bien masculin. Tant qu'on n'a pas la bague au doigt, vous n'êtes que des amours. Vous passez votre temps à nous dire que vous nous aimez, qu'on est les plus belles, les plus sensationnelles, etc. Une fois qu'on est marié, terminé, sous prétexte que parce qu'on a un anneau au doigt, on doit être convaincu de votre amour. Mais nous, par contre, on doit vous dire tout le temps qu'on vous aime. On doit vous rassurer. Nous rassurer, oui. Les femmes, c'est d'accord? Vous êtes d'accord? Oui? Non, pas tout à fait. Vous êtes d'accord, vous, Valérie? Je sais pas. Un peu? Je suis d'accord avec la dame. Vous êtes d'accord avec la dame? Pourquoi, Guylaine, pourquoi? Quand elle dit faut toujours rassurer les hommes, et en fait, une fois qu'on a la bague au doigt, c'est terminé. Nous, ça se passe pareil. Il m'a dit, j'ai pas besoin d'être collé toujours à toi pour prouver que je t'aime. Bah oui. Vous pensez pareil, monsieur? Ah bah oui, j'ai dit. Vous l'avez dit, vous le pensez. Vous êtes un couple tout récent, on a l'impression que vous êtes un couple... Un jeune couple, un vieux couple. Ah oui, c'est bizarre, ça. Hein. Si vous voulez. C'est ça, un peu? Oui, c'est ça. Oui, c'est un petit peu ça. Comment ça évolue depuis deux ans, dans le bon sens? Je pense que quand on veut... Je ne porte aucun jugement vis-à-vis de vos autres invités, hein. Loin de moi cette idée. Mais je pense que quand on veut réussir son couple, il faut faire énormément de concessions mutuelles. Et il faut le vouloir aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'il faut essayer d'étonner l'autre en permanence pour éviter l'usure et le quotidien, mais enfin, c'est très beau comme ça en parole. Au quotidien, c'est plus difficile à réaliser. C'est pour ça que c'est plus difficile avec les vieux jeunes couples.
Parce que quand on est un jeune couple, justement, il y a l'élan, il y a les mots qui sont dits, qui justement enflamment l'un et l'autre, et qui font soutenir, qui aident à faire le compromis. Quand tout d'un coup, on arrête ça, on peut se dire, bon, mais ça va, je l'ai dit l'année dernière, je t'aimais, donc je ne dois pas le répéter. Et en fait, j'ai envie de dire, prenons leçon sur les séducteurs. Les séducteurs ne passent que leur vie à dire qu'ils aiment. Et ils séduisent, uniquement parce qu'ils disent qu'ils aiment. Et ça, c'est important. Comment ? Ça ne veut pas dire que tu sois sincère. Hein. Je n'ai pas dit que c'était sincère, mais j'ai dit que c'était nécessaire pour nourrir agréablement l'autre. Alors, si on aime en plus et qu'on le dit, c'est, là, c'est sincère et en même temps, ce n'est pas inutile, ce n'est pas du superflu. Et vous, vous êtes marié, vous ? Comment ? Vous êtes marié ? Je suis marié. Et tous les jours, la question n'est pas là. Non, mais tous les jours, vous dites je t'aime. Le problème, on n'est pas là, top chrono, à dire tous les jours je t'aime ou non. Il va se faire engueuler entre à la maison, ça. Non. Moi, je suis un vrai défenseur de l'action active dans le couple, entre les deux partenaires. Si un couple veut tenir, c'est très important que chacun y participe au niveau des mots. Les mots, c'est ce qui... Pas seulement les mots. Non, mais les mots sont très importants. Pas seulement les mots, mais les mots sont très importants. De quelle concession vous parliez, Guylaine ? Les mots, c'est ce qui habille l'autre. De quelle concession vous parliez, Guylaine ? Parce que vous disiez, les concessions, c'est facile à dire, mais c'est difficile à répercuter dans la vie quotidienne. Bah, je crois qu'il faut... Vous faites quelle concession, vous, par exemple, dans la vie quotidienne ? Bah, j'essaye. Je suis prudente, j'essaye. Ouais. Bah, j'essaye de me battre contre mon propre caractère, déjà. C'est, si vous voulez, comme pendant 30 ans, j'ai pratiquement vécu toute seule en prenant des décisions graves et importantes, j'ai pris un peu l'habitude de commander. Donc, à moi de savoir m'effacer au bon moment pour laisser mon mari prendre les décisions, bien que les décisions graves, nous les prenions toujours... Importantes, disons. Ouais. Importantes, oui, d'un commun accord. Il n'y a jamais eu de problème. Mais comment on peut qualifier l'amour que vous avez connu pendant les 28 premières années de votre mariage ? C'est quand même pas rien. Parce que ça a toujours été le bonheur. Oui, une lumière permanente. Mais Guylaine, vous étiez en plein bonheur quand il n'était pas là pendant 9 mois ? Sans tendresse physique. Oui, vous savez, on peut quand même... On vivait sur la rive. Vous laissez répondre votre femme, oui ? J'ai pas parlé. Juste sur celle-là, après je donne la parole. Sans tendresse physique, sans câlin pendant 9 mois. Oui, parce que, au risque de vous choquer, je vais vous dire, nous ne sommes pas des bêtes. Hein? Donc... Ça m'a beaucoup choqué. Non, mais je savais qu'il m'aimait, je ne vivais que pour son retour, en fait. Puis j'avais les enfants qui étaient là. Et puis, les jours où ça n'allait pas, je lui écrivais. C'était l'amour pendant 28 ans ? Oui. À distance ? Mais ça l'est toujours. Et c'est toujours de l'amour ? Oui, bien sûr. Vous vous êtes découvert différent, à terre ? Je peux répondre. on était automatiquement différent. Vous parlez à l'époque où je naviguais. Oui, c'est ça, comparé à l'époque où... Est-ce que vous vous êtes découvert différent que vous ne le pensiez avant de vivre vraiment tout le temps ensemble, quoi ? Non. Non, vraiment pas, non. Et par contre, quand je naviguais, donc, nous avions... je passais 2 mois de congé, par exemple, après 4 mois ou 5 mois d'embarquement, de séparation. C'était 2 mois très intenses, si vous voulez. 2 mois de lune de miel, quoi. Voilà, 2 mois de lune de miel, vous l'avez dit. Ouais. Alors, si bien que le problème, c'était qu'à chaque fois que je repartais, c'était évidemment... Déchirant, j'imagine. Triste, quoi. Déchirant et triste, oui. Et je n'attendais qu'une chose, je ne sais pas si mon épouse pense la même chose que moi, c'est que c'était pour moi mon débarquement et je décomptais presque les jours, si je puis dire. Et puis j'attendais chaque escale où j'aurais une lettre qui me remontait le moral, qui était très intense. Il y avait, un échange épistolaire qui était très important. Sans la foi, vous pensez que vous auriez risqué de craquer de... Ah oui, certainement, oui. Ah oui. Pas dû à ses absences, mais probablement dû au problème des enfants, oui, certainement. Oui. Ou peut-être les deux liés, oui. Oui, 3 enfants charmants, mais plus difficiles que les autres à élever, quoi. Oui. J'ai demandé à François Destet de venir nous rejoindre. Il est conseiller conjugal et familial. Monsieur Destet, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Merci de côté de monsieur Mimoun. Oui, conseiller conjugal et familial spécialisé dans les problèmes de couple liés notamment à la relation au travail. Est-ce que la retraite est généralement un passage difficile dans la vie d'un couple ? C'est une rupture dans la relation, c'est une rupture dans les modes de vie. Il y a un changement. Et tout changement, ça exige un réajustement. Il y a un ajustement sûrement qui va se faire, mais il va se faire cet ajustement. D'autant plus que ce qui est tout à fait merveilleux,
c'est qu'ils ont dit, enfin, elle a dit, Guylaine, je l'aime. Hein? Ouais. Et ce couple a un lien très profond. Vouloir s'en sortir, ça, vouloir réussir sa vie de couple, ça suffit à la réussir? Ça suffit. Il faut en prendre les moyens. Mais si tout le monde vraiment, si les deux, enfin, tout le monde, si les 15 le veulent, si les deux le veulent. On le veut et on en prend les moyens. C'est en prendre les moyens, c'est se parler. Alors, il est évident que c'est peut-être un peu plus difficile à cet âge-là, comme le disait le docteur Mimoun, après un long temps où on croit que tout a été dit alors que rien n'a été dit. Et que c'est sûrement plus difficile de retrouver cet échange par la parole. Mais il est possible aussi de trouver des lieux de parole, comme dans beaucoup de cas, on y reviendra peut-être avec les chômeurs. Il y a des quantités de lieux de parole, il y a les conseillers conjugaux qui peuvent se voir pour ce type de... Il y a tout un tas d'associations qui font un beau travail. Enfin, il y a des quantités de lieux. Et donc, vous pouvez choper les coordonnées sur notre site internet ou sur le site Minitel de France 2. On va y revenir, monsieur Destin, si vous voulez, dans un instant. Juste une toute petite question, on va écouter Paul. Est-ce qu'il est quand même fréquent, et là, je ne parle plus de Guylaine et François, pardonnez-moi, il faut qu'on avance, parce que, est-ce qu'il est fréquent qu'on divorce à l'âge de la retraite, après 30 ans ou 40 ans de vie commune? Je ne crois pas que divorce soit littéralement le juge de paix en la matière. S'il y a un mal-vivre qui s'installe parce qu'on vivait correctement avec un certain contrat pendant la période de travail, ce contrat est complètement remis en cause et qu'il est plus ou moins accepté, mais dans un mal-vivre, bon, ben, il n'y a pas de divorce, mais il y a le mal-vivre. Paul, c'était le divorce ou le mal-vivre? Vous avez l'impression que vous avez eu le choix? Vous auriez pu continuer à rester avec votre femme? Non, d'ailleurs, dans le titre, il y a un mot qui me convient pas, c'est briser un couple. Oui. Qu'est-ce qui vous convient pas? Ben non, moi je crois que dans tous les cas, les gens avaient des défauts, des gros, il y en a certains. Ça ne peut pas briser un couple. Parce qu'un couple, quand il y a des enfants, on ne brise pas. Le père et la mère sont toujours le père et la mère. Donc le divorce, là, c'est un faux problème. Il y a toujours eu des difficultés dans les ménages. J'en ai toujours connu, il y en aura toujours après nous. Mais pourquoi vous avez divorcé à 60 ans, après 30 ans de mariage? C'est uniquement à cause des enfants? À cause des nouvelles lois, des nouvelles conditions de vie qui sont... Si on ne s'entend pas comme il faut, on est obligé de divorcer. Quoi, les nouvelles lois, les nouvelles conditions de vie, c'est-à-dire? Ben oui. Par exemple, la retraite. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été vraiment suffoqué de voir un voisin qui restait tranquillement à la maison et épluchait les petits pois. Puis sa femme qui partait de bonne heure en mobilette pour aller travailler. Mais je dis, mais c'est du sauvage, ça. Parce que dans le temps, c'était le mari qui prenait la charge du travail et la femme qui prenait les travaux faciles. Et puis, je me suis renseigné, mais on m'a dit, mais oui, mais c'est parce que lui, il est vieux, puis elle est plus jeune, il faut qu'elle travaille encore 3 ans. Mais je dis, mais c'est des mœurs de sauvage, ça. Quel couple vous formiez pendant 30 ans avec votre épouse? Ben, je vous dis, entre nous deux, il n'y avait pas de problème, parce qu'on avait les mêmes goûts, à peu près des goûts simples, ça allait bien. Mais il y avait la belle famille qui avait... Quelle a été l'influence de la belle famille? Donc des parents de votre femme? Oui, 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 oui. C'est elle qui a toujours mis des ennuis dans le ménage. Quel genre? Elle voulait commander, quoi. Pour vous, la vie d'un couple, c'est essayer de trouver un équilibre entre l'homme et la femme pour pouvoir élever des enfants. Bien sûr, et puis voilà, quoi. Si on peut pas... Mais la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie sexuelle, les activités plaisir en commun... Oui, ça représente quoi pour vous, Paul, ça? Oui, oui, mais écoutez, un certain âge. Oui. Non, mais je parle de... Attendez, parce que mon avocat, elle m'a dit une fois... Non, on va rester concentré sur l'histoire, mais vous dites avec votre femme. Oui. Ça s'est passé bien. Oui. Jusqu'au moment où vous acceptez... Avec les nouvelles lois, on est obligé de... Voilà, donc si on oublie les lois. Ah, mais si on pense qu'à l'amour, par exemple, au plaisir que vous aviez avec elle, il y avait une passion amoureuse entre vous deux, il y avait... Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Ouais. Quand j'entends dire qu'on fait l'amour, ben qu'est-ce que c'est, hein? C'est des relations sexuelles. Hein? Si l'amour, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amour, alors? Ben, c'était même un sentiment, c'était même un attachement, c'était même des choses qui sont communes à tous les deux. Y compris des enfants, un foyer, sûr. Des choses bien sûr, bien matérielles sûr. Comme un foyer, des enfants, mais de la relation entre deux personnes? Oui. Non, mais je vous dis, il faut des définitions du mot amour. Oui. Moi, avec ma femme, je m'entendais bien, on était d'accord, tout ça, moi j'estime que c'est l'amour, puis c'est tout. Martine, vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dis que l'amour, c'est la substance de la vie. Ça représente la vie, l'amour. Vous y mettez les mêmes ingrédients que non, Paul? Non, j'en mets beaucoup plus. Vous mettez lesquels, en plus? Je les ai tous mis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire un témoignage pour la réussite d'un couple. Or, je viens pour le contraire. Donc, il y a forcément des erreurs, quelque part. Et même avec de la tolérance, de l'amour...
du sexe, tout ce qu'on peut imaginer, ça peut mal tourner pour une raison que, qui nous échappe. Moi, personnellement, moi, je la connais, la raison. Là, oui, de... j'ai bien compris. Oui, oui, oui. vous accusez la loi de 70 qui permet aux femmes de cogérer... De 75, non de... pas de cogérer, mais de gérer. Hein. Oui, enfin de... Bah, écoutez, quand de il y a divorce, la vie de couple, la vie du ménage. Mais écoutez, j'ai vu la femme est partie avec les meubles de la maison, et lui il travaillait, il est rentré le soir, il n'y avait plus que les quatre murs. Hein. Et il n'a rien pu faire. Il restait le toit quand même, non, j'imagine. Oui, il y avait le toit aussi, à la fois, quand allait-il. Martine, je vais vous raconter un petit peu de sa vie, puis vous allez l'écouter ensuite, oui. Et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Vous avez quitté votre mari après 27 ans d'un mariage mouvementé, donc finalement, bon, c'est comparable. Hein. Vous avez vécu 30 ans avec votre femme, et vous, presque 30 ans avec votre mari. Dans quelles circonstances, d'abord, vous l'aviez rencontré, votre mari ? C'était un coup de foudre. Je l'ai rencontré dans les magazines et dans le métro. Il était collé sur les murs. En fait, il était mannequin cover boy à l'époque, on disait mannequin cover boy. Très beau, playboy, et j'étais déjà amoureuse de lui. Et en fait, j'ai eu la chance, parce que j'ai toujours eu de la chance, de le rencontrer un jour dans une discothèque. Ouais. Et j'ai décidé qu'il serait mon mari. Et il est devenu. D'accord. Vous avez formé pendant 10 ans de votre mariage, les 10 premières années, un couple où vous n'étiez pas la plus heureuse des femmes. Vous avez été... Non, avec le recul, j'appelle ça une galère, mais c'est parce que mon mari n'était pas fidèle. C'était normal. J'étais tolérante, c'était normal aussi. Qu'est-ce qui était normal? Parce qu'on faisait un métier compliqué, où il était avec toutes les plus belles femmes du monde. C'est compliqué ça. Hein. Oui. Ouais. Oui, c'est très tentant. Ouais. Et jeunesse se passe, donc j'ai compris qu'il fallait que je réussisse à le rendre fidèle. Et il m'a fallu 10 ans. Comment vous êtes prise? Je l'ai pris en flag. Et ça a été une castration virtuelle en fait, ça a réussi. Est-ce que vous pouvez détailler, Martine, en respectant évidemment les limites de la naissance? Oui, les premiers cas, parce que c'est vrai qu'on cherche, toute femme veut que son mari soit fidèle. Moi, j'avais dit à mon mari, lorsqu'on s'est mariés, que ses bijoux de famille m'appartenaient, qu'il était hors de question de les égarer, encore moins de les prêter. Mmh. Et il a été très désordonné pendant 10 ans. Donc, il fallait faire quelque chose. Et comme on m'appelle souvent Madame Contrôle, j'ai réussi enfin à contrôler, en fait, en sachant que j'étais avec ma mère sur la Côte d'Azur. Et j'ai fait croire que j'étais toujours là-bas, et je l'ai surpris avec une fille dans mon lit. Et ça, je pense que c'est très important pour un homme, quand la lumière s'allume, au moment crucial, on ne va peut-être pas appeler le moment crucial, mais un moment convaincant quand même. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le toit lui est tombé sur la tête, parce qu'il a eu une réaction assez... je pense que c'était le toit, parce qu'il s'est affaissé dans le lit, et puis après, il y avait une grosse masse qui est partie, je suppose que c'était la fille, qui était sous le lit ou sous le lit. Et puis moi, j'ai décidé, donc, c'était un choc psychologique pour lui très important. Ça aurait pu l'être pour moi aussi, mais je m'en suis sortie indemne. Et donc, après après, on a vécu, donc on a eu une petite fille. Il a été fidèle, il est resté. C'est la petite fille. C'est la petite fille. Elle est devenue grande. Oui. Très bien. Et en fait, il est resté fidèle. Il m'a expliqué qu'effectivement, le fait d'allumer la lumière, il ne pourrait jamais plus faire l'amour avec une autre femme, parce qu'il pensait toujours que la lumière allait s'allumer. Vous dites ça avec du rose qui vous monte aux joues, comme si c'était vraiment une grande victoire, quoi. Non, c'est pas une victoire, c'est un moment émotionnel, parce que ça me refait penser à tout cet amour qu'on a dégagé, que l'on a vécu. Et il est vrai que d'en arriver là aujourd'hui, c'est un peu dommage. Pourquoi vous êtes séparés maintenant? Par le cours des choses, en fait, avec une liquidation judiciaire. J'ai toujours travaillé avec mon mari. À 35 ans, j'ai monté ma propre affaire, qui a réussi. Lui, les siennes... allait plus ou moins bien, et un jour, parce qu'il y a eu une période très compliquée, une conjoncture économique très grave, et il a fait une liquidation judiciaire. Et on a décidé, pour que notre enfant soit élevé avec papa et maman, qu'il reste à la maison et qu'il s'occupe de sa fille et de son sport. Ça vous rappelle votre voisin, non? Peut-être. Oui, mais voilà, on en revient. Et moi, mon mari était un mari idéal, cordon bleu, faisait le ménage, s'occupait de sa fille mieux que moi. Il avait vraiment toutes les qualités, il n'y avait rien à dire. C'était fabuleux pour moi. J'ai vécu 8 ans de grand bonheur. Donc peut-être pas lui. Oui, peut-être pas lui. Comment ça s'est terminé, là, cette histoire? Arrivé à la maturité de notre fille, c'est-à-dire le moment où elle peut prendre son élan et être autonome, il se retrouve seul à la maison. Et là, il faut travailler, il faut reprendre le travail. Et je ne lui ai pas dit assez tôt, ou lorsque je lui disais... il ne voyait pas l'intérêt. On repartait aux Canaries, on repartait aux Antilles. Enfin bon, j'avais un mari qui était très aventurier. Et vous êtes lassée de cette situation, vous? Je ne m'en suis pas lassée. Je voulais qu'il se récupère. J'avais l'impression que je l'avais suicidé, que je lui avais enlevé sa personnalité. Que vous l'aviez castré? Oui, aussi, une deuxième fois. Je ne suis pas une femme fréquentable.
Vous reprochez aujourd'hui d'avoir, d'être à l'origine de tout ça? Complètement, parce que j'aurais dû lui dire plus tôt, on aurait dû en parler ensemble, mais moi c'était un confort qui m'intéressait. Et comme dit madame, on peut vivre, moi je vivais qu'une semaine puisque j'étais à Paris et lui en province, j'allais les voir le week-end et c'était fabuleux parce que j'avais pas de problème de bidet. J'appelle les problèmes de bidet, t'as laissé l'éponge encore dans l'évier, bon, toutes ces petites choses-là. Le bidet étant une métaphore. Voilà, tout à fait. Et en fait, moi je n'avais aucun souci, c'est lui qui les avait, ça m'arrangeait très bien. Donc je ne disais rien et quand il y avait... C'est vous qui êtes partie quand même. C'est moi qui suis partie, en fait, je vais dire... Oui, peut-être par amour, pour qu'il ressuscite, pour qu'il réexiste. A-t-il ressuscité ? Pas aujourd'hui, puisqu'on s'est séparés qu'en février dernier. Oui. Et que là, c'est grave pour lui, parce qu'il n'a pas encore récupéré. Vous l'aimez toujours ? Oui, on ne peut pas, bien sûr. Il vous aime, vous pensez ? Oui. Vous avez un autre homme dans votre vie ? Non, je suis bloquée, non. Vous êtes bloquée ? Oui, oui. De toute façon, je ne plais pas aux hommes, c'est clair. Vous ne plaisez pas aux hommes ? Les hommes me regardent, ils ne me draguent jamais, alors pour moi, c'est terminé. Et vous pourriez être un homme à la maison, par exemple, vous, pendant que votre femme travaille ? C'est une question que je pose, c'est une question de société. Hein, vous. Oui, sûrement, oui, ouais. J'ai une console à la maison. Vous n'êtes pas accro au travail, ça ne vous dérangerait pas que ce soit votre femme qui... Non, non. Non, non, pas du tout. Et vous ? Vous non plus, vous pourriez ? Non, je ne pourrais pas. Vous ne pourriez pas, pourquoi ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de pour moi, vivre, notamment sur le plan professionnel, c'est voir d'autres personnes, d'autres situations, etc. etc. Rester dans l'univers clos du domicile, j'étoufferais. Mais les femmes le font bien. Oui. Les femmes le font. Amour pour les enfants. C'est pour ça que j'ai une compagne qui aime être à la maison. Oui, mais là, on parle de vous. Vous vous dites, non, moi, j'aurais pas pu. Donc, vous n'aimez pas assez la famille pour vous sacrifier. Moi, mon mari s'est sacrifié. Je n'aime pas assez la famille pour me sacrifier. S'il y a un problème grave dans la famille, est-ce que vous seriez capable de garder les enfants à la maison, de faire le ménage, de faire les courses, de faire tout ce que fait une femme ? C'est un métier. Prenez pas cette tête-là, c'est pas un drame. Hein. Non. j'imagine... si, ça serait un drame. Hein. Ça serait un drame pour vous ? Ah oui. Impossible. Ah oui. Jean-Luc, vous voyez, vous ? Non, moi ici, j'ai un rôle, c'est poser des questions. Si je dois répondre à toutes les questions, c'est déséquilibré. Non, néanmoins, ce qui est difficile, c'est d'imaginer la question virtuellement. Parce qu'en effet, soit il y a une véritable crise dans le couple, que ce soit financière, par exemple, et qu'à ce moment-là, les deux remontent les manches, et en effet, ils se repartagent le travail, et il y a beaucoup d'hommes qui ne s'imaginaient pas du tout et qui, dans les faits, s'y sont vus, et l'ont plutôt bien vécu. Mais il y a un moment quand même, il ne suffit pas d'être marin pour se retrouver. Il y a un moment dans la vie, et qui concerne beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de couples qui vivent mal la période après la ménopause de la femme. Et qui correspond assez souvent à la mise à la retraite, surtout actuellement avec la pré-retraite, etc., où tout d'un coup, ce couple qui vivait ensemble, où chacun travaillait, admettons, ou si même la femme restait à la maison, le mari travaillait. En tout cas, passait pas toute sa vie ensemble. Quoi, oui. Et puis tout d'un coup, elle dit, je ne supporte plus qu'il soit du matin au soir à la maison. Et on dit, ça ne va pas, c'est à cause de la ménopause, alors que la ménopause n'a rien à voir avec ça. C'est que tout d'un coup, c'est que l'autre qui était toujours dehors est maintenant toujours dedans. Cette castration dont vous parlez, c'est un mot très fort, hein, ça nous fout tous à trouille. C'est lui qui me l'a... C'est lui qui vous l'a dit ? Oui, toujours. Vous dites, je l'ai castré deux fois en plus. Hein. Là, il ne m'a pas parlé de castration, il m'a dit... Il pense que je suis responsable parce que j'ai coupé les ponts financiers. C'est-à-dire que vous ne donnez plus d'argent à votre mari ? Non. Non, il faut qu'il se débrouille tout seul. Oui. Pourquoi ? Pour qu'il s'en sorte tout seul, pour qu'il vive autrement qu'à travers moi. Parce que je voyais mal les 20 années qui nous restent à vivre ou 30. Je ne vois pas l'avenir, je ne le comprends plus. Et je crois que c'est aussi il nous abandonne quelque part, sa fille et moi, parce qu'il faut qu'il fasse un effort pour travailler, pour nous prouver qu'elle partant... Il va travailler avec moi, comme avant. C'est ce que je voudrais. La seule chose, c'est qu'on peut dire qu'est-ce que l'éducation doit se faire à la dure, comme on dit, disait pour les jeunes gens. Maintenant, je te mets dehors et je te donne pas à manger, et puis on verra bien si tu arriveras à te débrouiller. Ouais, mais là, c'est son mari. Ou si au contraire, justement. Ou est-ce qu'on le soutient parce que là, finalement. Est-ce qu'on doit éduquer son mari ou est-ce qu'on doit le soutenir ? Oui, j'ai éduqué le mien avec le sexe, c'est-à-dire que c'était un gosse. Les hommes devant le sexe sont des enfants tous. Ouais, tout à fait. Alors comme un enfant, eh bien, on le gère. On le punit, il y a une stratégie. Bah oui. oui, mais surtout pas le divorce. Mais pas question, mais moi ça me paraît fou de divorcer parce qu'on est cocu. Attendez,
Il y en a plein qui ne le savent pas, elles vivent très très bien. Donc ça, il faut que ça se gère. On devrait faire des classes, c'est vrai, apprendre aux jeunes filles de ne pas être, ou alors d'être jalouses, pourquoi pas. Non, mais attends, il n'y a pas que les hommes qui trompent leurs femmes quand même. Ben non, mais les hommes le savent le moins. Pourquoi les femmes sont des petites futées? Elles sont beaucoup moins naïves. Ce ne sont pas des enfants, les femmes. Les femmes sont des adultes. Les garçons, oui, sont des enfants. Ils le restent toute leur vie. Monsieur est un grand enfant. Il va le rester toute sa vie. C'est dommage pour sa femme. Parce que là, ça va être dur. Et vous en êtes fortaise. Voilà. Ouais. Voilà, c'est un gosse, un vrai gosse. Il mérite une claque, là. Mais il ne trompe pas sa femme pour autant. Ah non, mais là, on ne parle pas de sexe, là, on parle de... Vous parlez un peu de sexe, quand même. Oui, là, je parlais de sexe. C'est une éducation, là, qu'il faut refaire entièrement, là. Mais est-ce qu'il faut élever son mari ou est-ce qu'il faut supporter avec ses défauts idem pour sa femme. Écoutez, quand on est jeune, on peut dire qu'on va essayer de faire mieux. Tous les jours, on se lève le matin, c'est pour dire « Merci mon Dieu, je suis en bonne santé, je vais essayer de m'améliorer, d'être gentil avec mon voisin, de faire un sourire, je ne sais pas, d'être bénévole, de donner de l'amour. » Ça, c'est changé, c'est changé. On n'est pas toujours bon quand on est jeune. Bon, des conneries, on en fait quand on est jeune, on ne sait pas trop les faire quand on est plus âgé. Tout à l'heure, vous disiez « Les femmes le font bien ». Une des grandes difficultés dans le monde actuel, c'est que justement, beaucoup de femmes, pour élever les enfants, ont abandonné leur métier, sont restées X années sans travailler. Et puis tout d'un coup, les enfants sont devenus grands et elles se disent « je veux travailler ». Or, qu'est-ce qu'elles disent quand elles sont seules ? J'ai peur de retravailler parce que c'est réaffronter le monde extérieur. C'est pas si facile. On peut avoir la volonté, on peut avoir envie. Mais en effet, d'une certaine façon, par la vie qu'il a menée, il s'est déconditionné complètement de la compétition, du monde du travail. Déconnecté de la société. Complètement déconnecté. Et puis tout d'un coup, vous le rejetez dans la forêt, quoi, si je puis dire, avec toute la bataille qu'il faut faire contre les nouveaux animaux féroces. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. J'ai fait une chose forte pour le rendre fidèle, je fais une chose forte pour qu'il se remette en question. Et vous n'êtes pas la plus heureuse des femmes pour autant, vous aimez pas toujours votre mari avec qui vous êtes plus depuis février, etc. Donc chacun fera son petit tri en nous écoutant et essaiera de trouver sa petite recette du bonheur. Voilà, c'est pour ça que je disais que pour créer un couple, il faut quand même que les deux aient envie. C'est une constante importante qui a été dit par quasiment tout le monde. Caroline et Gilles sont en ligne avec nous aussi, ils se sont mariés tout récemment, malgré quelques difficultés. Bonsoir. Ils vont nous parler de ces difficultés, de ce qu'ils ont entrepris pour les résoudre de manière anonyme. On va comprendre pourquoi. Bonsoir Gilles, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous êtes rencontrés il y a un peu plus d'un an. Très vite, vous êtes installés ensemble. C'était un coup de foudre, un peu comme pour vous, madame. Au bout de combien de temps vous êtes installés ensemble? Au bout d'un mois à peu près. Ah, oui. Tout allait bien, sauf que Caroline, vous avez perdu d'un coup tout désir sexuel pour Gilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je ne sais pas. Le fait de s'installer, le fait... de se mettre dans une vie de couple, puisque c'était la première fois pour moi. Je sais pas. C'est la dépression nerveuse aussi qui revenait à grands pas. Et c'est... Le mois qui a précédé votre installation pendant la période où la foudre tombait, ça se passait comment? C'est bien dit, la foudre tombait, effectivement. Alors? Ça se passait super bien, c'était... un mois de vacances, donc c'était comme toute histoire de vacances, c'était joli, c'était beau, c'était plein de fougue et plein de passion. Et ensuite, dès l'installation commune? Voilà, moi j'ai changé de région, je m'étais jamais... ça faisait 12 ans que je voyageais, donc le fait de me stabiliser dans une histoire, de me stabiliser dans une vie, d'avoir un appartement à moi, ça bouleverse et puis c'est difficile à gérer, quoi. Pas d'amis, pas d'endroit que vous connaissez, pas de métier, d'accord, rien, quoi. Mais au contraire, vous auriez pu avoir encore plus de désir pour votre mari, encore plus d'envie de partager des moments forts avec lui, y compris sensuels. Ah non, j'étais complètement... j'avais besoin de me retrouver. D'accord. Comment vous interprétiez les refus ou le manque d'enthousiasme de votre compagne, Gilles? Au début, en fait, on se pose beaucoup de questions sur votre partenaire, sur ma partenaire, je me posais des questions, et puis surtout sur moi-même. Et face à cette situation, on ne sait plus quels sont les repères, on ne sait plus si c'est vous qui ne vous savez plus vous faire aimer, ou si c'est votre partenaire qui part un peu de son côté. C'est assez déstabilisant, en fait. Vous en parliez ensemble? Alors, en fait... Pas tout de suite. Je crois que le premier mois où on a commencé à vivre cette crise,
on a évité d'en parler parce que vous ne savez pas vraiment si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre. Donc vous êtes patient, vous tentez de mettre peut-être un peu de fantaisie, vous tentez d'avoir une autre relation, de temps en temps vous êtes insistant, etc. Et vous évitez en fait la communication, vous évitez d'en parler jusqu'au moment où la crise devient suffisamment grande pour que là il faille faire quelque chose. Et vous l'avez mesuré comment ça, à partir de combien de temps? Oh, ça a duré à peu près, on l'a mesuré au bout d'un mois, un mois et demi, maximum de trois mois, où c'est là où en fait on commençait à de moins en moins communiquer. C'est-à-dire qu'au début… Vous faisiez encore l'amour à ce moment-là? Ah non. Pratiquement plus, non. Non, pas pratiquement plus, ou alors très exceptionnellement. Oui. Dans quel c'est pas exceptionnellement, il y avait des moments où le plaisir revenait, Caroline, enfin, où le désir revenait en tout cas? Non. Non. Pendant combien de temps, en tout? Ben, ouais, trois mois. Et aujourd'hui? Ben, ça va mieux, ça revient doucement et sûrement. En tout cas, on a appris à se parler, on a appris à communiquer, à arriver à se dire les choses et arriver à trouver l'autre, quoi. Mais en fait, cet effort de communication, on ne l'a pas fait nous-mêmes. Au bout d'un moment, donc, quand il y a vraiment la crise était à son maximum, on a eu l'intelligence de se dire on n'y arrive pas en fait tout seul, l'un et l'autre, on n'arrive pas à échanger sur ce problème, on n'arrive pas à analyser soi-même, on n'arrive pas à analyser notre problème, on n'arrive pas à s'en sortir. Et un jour, on s'est proposé mutuellement, c'était presque spontané, de se faire aider par quelqu'un. Et on a demandé conseil à notre médecin famille, entre guillemets, on a demandé conseil un petit peu autour de nous et on nous a conseillé un psychothérapeute qu'on a été voir. Et depuis à peu près 9 mois maintenant, on suit régulièrement un entretien avec lui. C'est bien en couple. C'est, pardon ? Une thérapie en couple ? Oui, c'est une thérapie de couple. Alors bien entendu, on n'est pas allongé sur un divan l'un et l'autre, on est face au praticien et on échange sur la vie, on échange sur nos relations, on échange sur nos problèmes. Et ça a permis de raviver la flamme, Caroline, de trouver un terrain d'entente au lit, par exemple ? Oui. Quels sont les termes de l'accord ? Les termes de l'accord ? Non, comment vous êtes débrouillé pour trouver un terrain d'entente pour que vous soyez tous les deux heureux, épanouis. La communication, de se parler, de comprendre les choses, de... Vous savez, le problème d'une crise dans un couple, c'est que ça ne se situe pas uniquement à l'étage sexuel. Ça se situe après, à tous les niveaux. Que ce soit une communication sur le quotidien, les tâches ménagères, sur la façon de s'habiller. Effectivement, ma Caroline adore marcher pieds nus dans l'appartement. Et... Quand on se couche, forcément, moi, le fait d'être pieds nus, ça me choquait. Est-ce que vous trouviez qu'elle avait les pieds sales? Oui. Mais même en allant me laver avant. Mais ça, il n'était pas là parce qu'il dort avant moi, donc voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais. Vous êtes mignons tous les deux, parce que là, avec l'effet d'optique, on dirait qu'il y a un soleil entre vous deux. Alors, je ne sais pas si c'est un soleil qui vous sépare ou si c'est un soleil qui vous réunit. Oui. Vous êtes mariés, en tout cas, très vite. Est-ce que vous pensez avoir pris un risque en vous mariant aussi vite? Non. Non. Non, parce que le travail qu'on fait ensemble, en fait, nous a permis d'aller au-delà de nos inhibitions, au-delà de nos blocages. Et c'est vrai que le médecin, enfin le psychothérapeute que l'on voit, nous a aidé à évoluer l'un et l'autre et aidé à évoluer ensemble. Et il nous a donné totalement confiance en nous, en fait, en nous individuellement et en notre couple. Mmh. Ça n'a pas été sans difficulté. Ça a mis quelques mois, mais en fait, on s'est échangé nos consentements. Avec une volonté mutuelle, hein, comme disait le docteur Mimoun. Caroline, c'est le nirvana, c'est la joie, c'est l'amour, maintenant? À quel niveau? Oui, c'est l'amour. Entre vous, je voulais dire, quoi. Ah, mais de toute façon, ça l'a toujours été. Ah oui. Le problème de relations sexuelles, c'était quelque chose d'à part. Mais on s'est toujours super entendus. Je crois qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on a, on a la volonté de réussir notre couple. C'est ça, quoi. Ouais. Mais par exemple, monsieur aime bien faire l'amour dans des lieux insolites. Je prends un exemple, et vous plutôt dans la chambre familiale. Je prends un exemple qui, d'après ce que je sais sur vous, est la réalité, je peux le dire, parce que vous témoignez anonymement ce soir. Est-ce que, par exemple, chacun fait un pas pour donner satisfaction à l'autre? Bien sûr, oui, 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 oui. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? En fait, c'est en parlant, on a appris à se parler, en fait. Elle a bu ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, non, je rigole. Ouais. Non, c'est vrai que... Non, c'est... Je crois que c'est... Effectivement, c'est le plus gros problème, c'est d'arriver à...
à admettre l'autre et de faire des pas vers l'autre. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de, quand vous n'avez pas envie, que vous êtes fatigué ou que, qu'il est très insistant, ce n'est pas évident d'aller vers lui. C'est d'accord. Vrai. Merci. Je donne la parole maintenant à quelqu'un d'autre qui connaît une relation de couple assez récente. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux? Une semaine. Hein? Une semaine. Une semaine. Tous nos voeux de bonheur, en tout cas. Merci. Jean-Christophe, Felipe, c'est un peu plus ancien. Où est-il, Jean-Christophe? Vous êtes là. Jean-Christophe, vous avez divorcé après 3 ans de mariage et après avoir eu un bébé avec votre femme. Divorcé parce que votre couple n'a pas supporté des difficultés d'ordre sexuel, justement. Ça fait partie de la vie de couple. Il n'y a pas que ça. Tout déteint sur tout. Est-ce qu'à votre avis, c'était la naissance du problème était sexuelle ou c'était une conséquence? Non, pour moi, ce que j'en retire, c'est le désir. En fait, c'est de s'apercevoir que dans le regard de la personne avec qui vous vivez, il n'y a pas de désir. Elle n'avait pas de désir pour vous? Voilà, tout à fait. Ouais. Dès le début l'acte sexuel vient vraiment en dernier lieu. Oui, un acte sexuel, ce n'est pas quelque chose d'automatique ou de mécanique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant le mariage, nous avions une relation très pimentée et où on a vécu beaucoup d'aventures. C'est-à-dire? Parce qu'on vivait séparément du fait qu'on vivait chez nos parents respectifs. Et de ce fait... Vous faisiez vos petits coins douces. Voilà, donc il nous est arrivé quelques histoires. Un soir, dans un hôtel, j'ai voulu tamiser la lampe de chevet parce qu'elle était vraiment éblouissante. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on avait pratiquement mis le feu à la chambre. Quoi. Et des petites situations comme ça, ou alors en reculant d'un chemin... Ça met un peu de feu dans la vie de couple. Voilà, ou alors en reculant d'un chemin, boum, on s'est embourbé la voiture dans le fossé. Bon, ça nous a permis, remarquer de dormir pour la première fois avant le mariage chez mes parents, parce que mes parents habitaient à côté. Donc ça a été très... Ah oui, avant le mariage, vous n'aviez jamais dormi ensemble? Non, la seule fois où on a dormi chez mes parents avant le mariage, sans pour autant avoir eu une éducation stricte, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. C'était comme ça. Et c'est à cette occasion-là. Comment s'est passée la nuit de noces? La nuit de noces, ma foi, je ne m'en rappelle pas trop. On a vécu... Vous étiez bourré ou quoi? Non, pas du tout. Vous vous souvenez pas? Pas vraiment, non. J'ai occulté un petit peu ces 3 années de mariage, justement parce que j'ai vécu vraiment quand même des choses pas évidentes. Et notre voyage de noces, on a fait un beau voyage touristique, mais c'était différent par rapport à avant le mariage, c'était différent. C'était moins, il y avait moins de piquant, moins de désir mutuel. Il y avait beaucoup moins de piquant, moins de désir. Et comment vous l'expliquez ça? J'explique cette période-là peut-être par le fait qu'elle ait quitté sa famille, qu'elle ait coupé les liens avec ses parents, ou alors peut-être que le fait d'être mariée, elle a été soulagée. Vous avez été consulté un sexologue? Oui, tout à fait, oui. Tout d'abord, tous les deux? Tous les deux, on y est allé à la première séance. Et puis ensuite, vous avez laissé madame y aller toute seule? Toute seule. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le sexologue. Ouais. Ouais. Oui, oui. Mais en fait, je pense qu'elle l'a fait pour me faire plaisir. Elle a eu cette démarche-là à ma demande, mais ça a été pour me faire plaisir. Elle vous aimait? Vous vous aimiez? Je pense qu'elle m'aimait, mais elle l'a fait pour me faire plaisir, non pas pour elle. Et je crois que c'est là où il y a eu de gros dégâts de fait. Ah oui, c'est ça. Donc là, on parlait, effectivement, il n'y a pas une volonté des deux conjoints. Voilà, vous êtes séparés maintenant? On est séparés depuis 5 ans. Ah oui? Quelles sont vos relations aujourd'hui avec elle et avec votre enfant? Oh, c'est pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que c'est pas la joie? Pas vraiment. N'en parlons pas. Vous êtes à nouveau en couple? Oui, depuis 5 ans. Oui, oui, j'ai rencontré une personne. Monsieur n'a pas perdu de temps? Ah non, pas du tout, non. Ah. Non, parce qu'il y a eu des périodes sur la fin qui ont été pénibles pour moi. Quel genre? Étant donné que je ne ressentais plus de désir de ma femme, je me suis éloigné. Je me suis éloigné à tel point que je recherchais son désir au travers du regard de certaines actrices à la télé, si vous voyez ce que je veux dire, notamment sur la 6. Vous comprenez? Les trucs pour s'endormir le dimanche soir là, les... Voilà, tout à fait, ouais. Il y a des trucs plus chauds le samedi soir sur... Factuellement, je préfère Histoire naturelle pour m'endormir. Hein. Ah ouais. Ah, oui. Ah, le truc de les films de la 6, ça vous chauffe bien? Non, c'est pas la question que ça me chauffait bien, mais si vous voulez, j'ai cherché à voir ce qu'était le désir d'une femme vis-à-vis d'un homme. C'est ça. Et j'ai essayé de transposer le sien, donc j'ai été malade, ça m'a rendu malade. C'est-à-dire? Je me sentais malade d'être arrivé à une situation pareille.
Vous pensez que vous avez échoué faute de communication ou parce que vraiment il n'y a pas d'amour ? Non, on a communiqué parce que bon, c'est pas évident quand même d'en parler, hein, comme vous l'a dit le précédent couple. On a réussi à en parler, on a réussi à aller voir un sexologue, mais je crois que elle n'a pas pris conscience de ce qui se passait entre nous. Voilà. Donc moi, j'en ai souffert, je me suis éloigné un petit peu. Et puis finalement, le boulot étant, il y a une routine qui s'est installée dans notre couple et qui a fait que bon, on est arrivé à la rupture. D'accord, on comprend Jean-Christophe. Hein, voilà. Ça se passe bien aujourd'hui ? Avec ma nouvelle amie ? Bah oui. Bah oui, il y a non, pas avec le téléfilm depuis... M6. Ah, non. Oui. Non. Depuis 5 ans, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui m'apporte justement ce que je manquais. Et de jour en jour, mois après mois, j'ai pu retrouver un équilibre que j'aurais désiré dans mon couple, mais auquel je n'ai pas su arriver. Et que vous connaissez dans un autre couple, donc. Voilà. Maintenant, dans un nouveau couple. Tout à fait. Dans une nouvelle histoire. Exactement. Vous tous, est-ce que vous pensez que l'entente sexuelle est indispensable dans un couple ? 80% vous dites ? Ah oui, ça arrange beaucoup de choses. Paul ? Tu as le droit de dire joker, hein, Paul. Mais c'est normal dans un couple. Hein, des gens constitués normalement, moi je vois pas... Valérie ? C'est très important, oui. Monsieur ? Oui ? Même chose ? Oui ? Important. C'est-à-dire, vous dites important comme si vous nuancez. Oui. Vous nuancez ? Oui. C'est-à-dire pas indispensable ? Nécessaire, mais pas suffisant, bien sûr. Ah, pas suffisant, d'accord, oui. Monsieur, madame si... Important, oui. Important. À vrai dire. Oui. Guylaine ? Oui, important, mais il n'y a pas que ça. Oui, important quand même. Oui. Monsieur Mimoun ? Oui, ce qui est... Pour nous parler de votre femme, évidemment. Toujours dans l'idée de... Hein, on aimerait bien qu'il nous parle de sa femme. À vrai dire, ce qui est important, la sexualité. Quand la sexualité va bien dans un couple, ce n'est pas important pour le couple. Oui. Mais quand il y a un problème sexuel, c'est le problème numéro un, tous les autres passent au second plan. Est-ce que la recherche... Ça occupe tout le terrain. Et là, ce qui est dit, c'est quelque chose de très fréquent, qu'on rencontre très fréquemment. Soit parce qu'on va se marier, tout d'un coup, la femme perd le désir, quelquefois c'est l'homme, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt la femme. Et là où c'est encore plus fréquent, c'est quand elle vient d'avoir un enfant. D'accord. C'est que tout d'un coup, et là, ce n'est plus une histoire entre les deux partenaires. Ce n'est pas le partenaire qu'elle ne désire plus, c'est que tout d'un coup, cette situation, c'est-à-dire cette situation de femme, femme à la maison, c'est-à-dire ou femme mère potentielle, ou l'homme qui est vécu comme un père potentiel, tout d'un coup, on ne peut plus avoir de désir pour lui. C'est plus important qu'avant, je veux dire, j'ai pas l'impression que on parle plus facilement de sexe dans un couple, que chacun, l'homme ou la femme, peut dire plus facilement qu'hier que c'est important, que qu'il ou qu'elle a des désirs, pas seulement qu'il a des désirs. Tout à fait. Qu'elle a aussi des envies, que peut-être que et d'ailleurs, ce qui change lui, il faudrait qu'il se bouge aussi. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est plus changeant depuis plutôt 5 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes, même si c'est encore une minorité, qui viennent parce qu'elles disent qu'elles ont plus de désirs que leur partenaire. Alors qu'il y a 10 ans, je ne rencontrais jamais de couple où il y avait ce type de demande. Pas belle la vie. Je crois que c'est important. Oui. C'est évident, il y a une unanimité sur le fait que c'est important. Mais je ne crois pas qu'on puisse non plus projeter sur le fait que c'est indispensable. Non, mais je parlais de l'évolution des mœurs, là, vraiment. Cette vie sexuelle, elle est importante, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais il y a une espèce de pression sociale aussi qui fait que les gens la considèrent comme absolument indispensable. Je connais certains couples dont la vie sexuelle est très médiocre et qui, en définitive, vivent très bien. C'est leur droit. Parce qu'ils ont une libido un peu moins importante que d'autres. C'est leur que droit. D'autres. Respectons cette situation. Mais s'ils sont en harmonie, ne leur projetons pas. C'est leur nature. Le fait qu'ils doivent être malheureux parce que c'est comme ça. Et on arriverait quelquefois à ces situations. Allez, on va regarder maintenant le troisième reportage de cette émission pour évoquer une des autres causes importantes de la séparation avec Alain Jouy, à savoir le travail et le manque de disponibilité qui l'engendre parfois. Dans votre cas, Alain, vous avez divorcé 2 fois à cause d'un métier trop prenant. Combien de temps ont duré chacun de vos 2 mariages ? Le premier a duré 17 ans. Ah oui, quand même. Et grâce à la mobilité, il a duré 17 ans. Ah, c'est ça. La mobilité m'a permis de ne pas affronter les vrais problèmes qui étaient latents et que j'aurais dû affronter avant de me marier. Et le deuxième ? Le deuxième, je pense que c'est la mobilité qui a contribué à le briser. Et il a duré combien de temps ? Il a duré 3 ans. Vous avez à chaque fois trompé chacune de vos 2 femmes ? Pas à chaque fois, je veux dire, pas tous les jours, hein, que je veux dire, mais dans votre vie, et notamment lié à cette mobilité qui fait que vous étiez partout, parfois pour plusieurs jours ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ? Bien sûr que non. Lorsqu'on n'est pas heureux, on essaie de devenir heureux.
quand on n'y arrive pas, où on a le courage de faire ce qu'il faut pour faire cesser une situation qui n'est pas bien, ou on est lâche. Je n'ai pas toujours été courageux. Moi non plus. Hein. Bon. On va regarder ce reportage. Aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, Alain, vous êtes à nouveau en couple, sans être marié, avec Daniel, qui était votre assistante, donc qui vous connaît bien dans le cadre de l'exercice de votre travail. Caroline... Et c'est réciproque. Oui, je la connais bien, donc j'avais confiance. Donc vous avez confiance, d'accord. Caroline Coldefy et Jean-René Chaperon ont passé 2 jours avec vous, donc un peu sur la route, un peu dans les trains, et un peu à la maison également. On regarde leur reportage. Je laisse mon ordinateur, tu n'y touches pas. D'accord. D'accord. T'en as pas besoin aujourd'hui, alors. Non, parce que je reviens ce soir, donc j'aurai le temps de faire mes messages. D'accord. D'accord. Au revoir. Bon voyage. Alain Jouy vit depuis 3 ans et demi avec Daniel. Auparavant, il a connu 2 mariages et 2 divorces. 2 mariages, 2 échecs. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais trop jeune, trop égoïste. Parce que au lieu de dire à ma seconde femme ce que je pensais d'elle, eh bien, j'ai choisi la solution lâche de la tromper sans rien dire, voilà. Je ne rechignais pas à partir. Je rechignais d'autant moins à partir que je m'embêtais chez moi. Et j'étais pour dire que je m'embêtais un peu, puis en y réfléchissant, j'ai envie de vous dire que je m'embêtais vraiment beaucoup chez moi. Alors bon, plutôt que de s'embêter chez soi, vaut mieux être ailleurs. Vous êtes gentil de préparer les documents. Et puis, Alain est directeur commercial d'un laboratoire pharmaceutique. Tout le temps sur les routes, il passe une nuit sur deux en dehors de chez lui. Cette mobilité a été pour beaucoup dans l'échec de ses précédentes unions. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Ma seconde femme a vécu la mobilité comme un fardeau, comme une épreuve, comme un obstacle à notre bonheur, à notre épanouissement, à son épanouissement. Vous pouvez le comprendre, ça ? Bien sûr. Bien sûr. Et malgré ça, vous ne faisiez pas en sorte d'être plus souvent avec elle ? Comme lorsque j'étais avec elle, c'était la soupe à la grimace. J'avais pas envie d'être avec elle. Quand on a un couple qui ne fonctionne pas, la mobilité, c'est un bon moyen de fuir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Courage, fuyons. Quand on a un couple qui ne fonctionne pas, la mobilité, ça permet de justement de ne pas affronter les problèmes. Ça permet d'aller ailleurs, ça permet de partir, ça permet de s'évader et de ne pas regarder les problèmes en face. Retour à la maison après plusieurs jours d'absence. Bonjour, Richard. Bonjour. Ça va? Oui. Qui c'est? C'était Colette. C'est pas pour moi? Non. D'accord. J'arrive. J'ai plein de choses à te dire. Bah écoute, oui, moi aussi. Tu commences ou commence? Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y, dis-moi ce que tu avais à me dire. Bah, prends ton agenda parce que je voudrais te dire ce que je fais la semaine prochaine puis la semaine d'après. D'accord? Ouais. Et puis après, on parlera de ce qu'on fera tous les deux. Alors, lundi prochain, je pars à Paris. D'accord. Je reviens lundi soir. Mardi, j'invite Thierry Bigot ici. Tu peux lui faire à manger? Oui, bien sûr, mercredi. Et je reviens vendredi par le train. D'accord. C'est pas un peu frustrant d'avoir un mari qui n'est jamais là ou... Je pense que si j'avais 20 ans, je vous dirais que c'est frustrant. Mais je mène bien ma vie comme ça. Il y a... Non. Ouais, t'es gentil, tiens. Tiens, tu fermes la fenêtre et tu fumes pas surtout. Mets-toi là, d'accord. Oh. Tu sais, tu te souviens comment on est appelé? Oui. Donc tu cliques sur réseau. Vous n'avez pas eu peur d'épouser un monsieur, enfin en tout cas de vivre avec un monsieur qui avait divorcé 2 fois? Bah si, ça fait peur, mais j'ai pris le risque. Qu'est-ce que vous êtes dit en le rencontrant? Que ça ne durerait certainement pas. Mais la preuve, ça fait 3 ans et demi et pour l'instant tout va bien. Il n'est pas trop difficile à supporter? Si, assez. Qu'est-ce qu'il a de difficile à supporter? Qu'est-ce qu'il a de difficile? Il est, comment dirais-je, coléreux. S'il est en train de faire quelque chose, il ne faut pas venir le déranger. Notamment le matin, tant qu'il n'a pas fumé sa première cigarette, il ne faut pas lui parler. Hein.
Alors, on prépare le petit déjeuner, monsieur arrive, et il ne faut pas lui parler. Il ne faut surtout pas que je lui parle de la robe que j'ai achetée hier ou de la facture de téléphone qui est arrivée. Non, non, pas question. Alors, vous êtes coléreux et difficile. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Mais je crois que les bons vins sont ceux qui ont de la personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de caractère du tout. Et puis il y a des gens qui ont du caractère, c'est pas forcément du bon caractère. C'est plus facile pour moi que ma compagne ne travaille pas. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis là, elle s'occupe de moi. Sincère, c'est sincère au moins. Au moins c'est sincère. C'est vrai. On a l'impression que vous avez une relation quasi professionnelle avec votre troisième compagne, avec qui vous n'êtes pas marié. C'est parce que vous avez l'impression que ça pourrait porter malheur au regard de ce que vous avez connu auparavant. Non, je crois qu'à force de ne pas prendre son temps, on finit par le prendre. À force de ne pas réfléchir ou de ne pas réfléchir assez, on réfléchit après. Ah bon? Ouais. Je disais, vous avez une relation quasi professionnelle avec elle. Est-ce que c'est une façon de pouvoir rester le même au travail et à la maison? Oui, alors effectivement, je regardais ce reportage et j'étais frappé. Par vous? Par votre comportement? Non, j'étais frappé de l'éclairage que ça donne. Et je voulais seulement dire que la relation qui semble être professionnelle, c'est le vendredi soir quand j'arrive pour qu'on finisse de parler du professionnel et pour qu'après je me consacre à elle, ce que je n'ai pas su faire avec mes précédentes épouses. Je vis le week-end pour elle. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Il y a quelque chose de très symptomatique quand vous êtes absent toute la semaine. Vous avez déjeuné au restaurant, dîné au restaurant, etc., etc. Vous avez parlé à plein de monde. Vous rentrez le vendredi soir chez vous, salade de carottes et vos charentaises. Pour vous, c'est l'idéal. Votre compagne a passé une semaine à ne voir personne, à manger cette salade de carottes. Et le vendredi soir, pour elle voir du monde, aller au restaurant, c'est l'épanouissement. Et maintenant, le vendredi soir, pas tous les vendredis soirs, le vendredi soir, je fais la démarche de dire, tiens, ça te ferait plaisir, on va au restaurant. Vous avez des enfants ? J'ai trois enfants. Trois enfants. Vous avez mis en danger votre vie familiale parce que vous travaillez beaucoup ou est-ce que vous avez travaillé beaucoup pour fuir votre vie familiale? Qui de la poule ou l'œuf est le premier? À votre avis. Déjà, je ne travaille pas beaucoup. Si non, vous êtes pas très présent. En fait. Si travailler, c'est un devoir, etc., je ne travaille pas beaucoup parce que je fais des choses qui me font plaisir. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. Enfin, je veux dire, par là... J'ai une grande occupation, oui. Ouais. Oui, ça pourrait être les jeux vidéo, enfin, il se trouve que c'est le travail. Alors, j'ai pensé à vous tout à l'heure parce que je suis un tout petit peu dans ce cas-là, sauf qu'à force de faire des erreurs, lorsque ma compagne actuelle que vous avez vue à l'écran, lorsqu'elle me dit « Alain, stop, tu vas trop loin, tu travailles trop, attention, danger », je l'écoute, j'ai confiance en elle et là je m'arrête. Et en quoi vous avez pensé à Laurent? C'est ma première femme. Hein? Moi, c'est ma première femme. C'est votre première femme? Ben oui, moi, c'est ma première femme. Donc, la première, je ne l'écoutais pas. Vous voulez intervenir? Non, d'accord. J'ai peut-être posé la question à François d'Este. Alain a sacrifié d'une manière ou d'une autre, hein, j'utilise des grands mots, peut-être que les mots ne sont pas justes, ses deux premiers mariages à sa boulimie de travail. Est-ce que c'est un cas de figure que vous rencontrez souvent dans les thérapies de couple que vous proposez? Dans le cas présent, je ne suis pas certain qu'il ait sacrifié ses couples à la boulimie de travail. Ça mériterait un examen plus approfondi. Vous l'avez dit tout à l'heure, la poule, l'œuf, la poule, on n'en sait rien. Dire que le travail est très présent dans les vies de couple, c'est évident. Il tient une place énorme, ne serait-ce que par la peur du chômage. Et je suis très frappé, moi, par la situation actuelle où les identités des personnes sont définies par leurs activités professionnelles. On ne regarde plus une personne en tant que telle, on dit celui-là, c'est celui qui est technicien chez ceci, celui-là... À la rigueur, les filles, c'est la grande blonde. Mais le gars, il est défini par... Voilà, par exemple. Mais sinon, le gars, il n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'il fait. Il est défini par ce qu'il fait. D'accord. Et ça me paraît extrêmement grave. Oui, parce que le chômage, dans ce cas, devient extrêmement déstructurant pour le couple. C'est la perte d'identité de la personne. Oui. Et cette perte d'identité, ben, il faut bien... On ne peut pas s'étonner qu'elle ait des répercussions énormes sur le couple. Ouais.
pense à une situation. Une jeune femme vient me trouver en me disant « Mon mari m'a trompé. » Comme vous dites, hein, c'est pas... Alors, il m'a trompé... J'ai rien dit, moi. Il m'a trompé, mais attendez voir. Il m'a trompé parce que lorsque nous étions fiancés, ouais. Il faisait ses études de droit et il m'avait dit qu'il deviendrait un grand avocat. Or, ça fait 8 ans de ça, et cependant, ces 8 années, c'était des petits boulots et du chômage. Il m'a trompé. Ouais. Et comme c'était une femme très catholique, elle me demandait, elle allait jusqu'à me demander, est-ce que vous croyez, sachant que je suis un conseiller catholique, est-ce que vous croyez que c'est un cas d'annulation de mariage? Parce que mon consentement n'était pas éclairé, il m'a trompé. Évidemment, il a fallu un peu de temps pour réfléchir sur qui elle avait épousé. Est-ce qu'elle avait épousé un futur grand avocat, un futur ténor du barreau, ou est-ce qu'elle avait épousé un homme? Alors, lui faire parler de cet homme avec ses défauts. Ça s'est arrangé, finalement? Et ça s'est arrangé. Cette histoire-là s'est arrangée. Et ça s'est arrangé. Mais que de souffrance derrière. Ouais. Et les choses se sont plus éclairées, parce que dans les échanges, il est apparu que, que le père de cette dame était un grand professeur de médecine. C'est ça. Vous voyez toute la projection qu'il y a. Qui avait-elle épousé? Patrice Henry, qu'est-ce que vous inspire ce qu'on vient d'entendre de part et d'autre? Moi, j'ai été très intéressé par ce qu'a dit Alain. Oui. D'abord parce qu'il a une honnêteté dans sa façon de l'exprimer sur, je dirais, sur le recul qu'il a de sa vie antérieure, enfin, antérieure au niveau couple. Et aujourd'hui, il essaye d'éviter de renouveler les mêmes erreurs. Hein ? Complètement. J'ai connu ça. Alain, quel était l'état de votre couple? Comment vous qualifieriez les relations que vous aviez avec votre femme avant que vous connaissiez le chômage, avant que vous soyez licencié? Comme ça arrive dans beaucoup de familles. Elles étaient soft. Oui. C'est-à-dire? Je me voilais la face, peut-être. Soft, ça veut dire doux. Doux, oui, doux. Doux? Oui, parce que pour moi, c'était une vie simple, de couple tranquille. J'avais mon activité à Paris. Vous étiez cadre? Oui, et elle restait à la campagne. Donc, moi, je revenais le soir, j'étais content d'être à la campagne. Elle, elle est restée toute la journée. À la campagne. Ah, c'est ça, c'est les carottes dont parlait Alain. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Et une fois que vous avez connu le chômage, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la vérité qui a éclaté ou c'est... C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord toute la période pré-chômage, hein, qui n'a pas été facile. Et puis ensuite, je crois que ça a permis à mon épouse, à la maman de ma fille, de se rendre compte que c'était peut-être le moment de déclencher quelque chose, et pour elle et pour moi. Moi, je ne voulais pas le savoir, bien sûr. Déclencher quoi, en l'occurrence? Qu'il fallait, de toute manière, on ne pouvait pas continuer de vivre comme cela. C'est-à-dire que vous pouviez vivre ensemble tant que vous étiez finalement assez éloignés l'un de l'autre? Oui, puis qu'il y avait un confort. Économique et social? Tout à fait. À partir du moment où il n'y a plus de confort économique et social, où il risque de ne plus y avoir, parce que ce n'était pas encore le cas, et où il y a, le fait que je n'étais plus à Paris, donc on me voyait, mon épouse me voyait tous les jours, et elle avait peut-être une nouvelle vision. Mais toute la journée. Ouais. Elle me peut-être une nouvelle vision de moi, qui devait à l'époque ne pas être brillante, a fait que ça a été certainement révélateur pour elle. Vous pensez qu'il n'y avait plus d'amour ou qu'il n'y a jamais eu d'amour entre vous? Je crois qu'il y a une immense affection. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Je crois qu'elle m'a aimé aussi, mais il y a une immense affection. Et pas d'amour, alors? C'est la réponse que vous faites, là. L'amour, c'est aussi de l'affection, hein, quelquefois. Enfin, bon, ça peut être un sentiment aussi plus fort, enfin, oui, pas forcément fusionnel, mais si vous répondez affection par rapport à amour, c'est que ce n'est pas exactement la même chose. Tout à fait. D'accord. Vous dites avec le recul qu'elle a bien fait de partir. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a bien fait de partir? Elle a bien fait de partir pour elle, d'abord, parce que je crois que c'était important qu'elle vive autre chose. Sinon, certainement qu'elle aurait été malheureuse toute sa vie. C'était il y a combien de temps? Ça remonte à une dizaine d'années. Et vous? Et vous? Et c'était important pour moi, parce que ça m'a permis de me rendre compte que rien n'est jamais acquis, premièrement. Que peut-être que, non seulement peut-être, mais que on doit avoir un certain, une rigueur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la personne avec qui on partage sa vie,
de telle manière qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et puis il y a des choses que, sur lesquelles on doit s'efforcer de façon à être respecté, je dirais, et puis être aimé. Vous n'aviez pas assez entretenu votre vie de couple pour que cette affection soit un amour intense, quoi. Oui, c'est ce que vous pas facile. Merci, je vais demander à l'immense Didier Sandre de venir nous rejoindre ici. Didier, si vous voulez bien, pour la conclusion de cette émission, sous les applaudissements du public du studio 102. Bonsoir Didier. Alors, vous avez écouté des histoires qui se sont suivies, se sont parfois même mélangées et se sont rarement ressemblées, parfois quand même. Qu'est-ce que vous... Ce qu'il y a, c'est que j'ai surtout beaucoup entendu de choses qui se disent dans la pièce que je joue en ce moment. Ouais. Et c'est vraiment pas de la publicité. Non, vous pouvez, parce que c'est... Mais vraiment, c'est incroyable. Dîner entre amis à Paris, oui. Oui, dîner entre amis, puisque le sujet est la rupture d'un couple. Enfin, pour rebondir sur ce que vient de dire Henri, je voudrais dire que... La rupture n'est pas forcément dramatique. Quoi. Je pense que la rupture d'un mariage peut être une chose extrêmement bénéfique et pour l'un et pour l'autre à partir du moment où on l'a identifié. Moi, ce qui me paraît extrêmement dramatique dans les couples, c'est quand le silence qui s'installe, la non-communication, le manque de désir, etc., devient un espèce de statu quo qui dure et qui... et ça, je trouve ça réellement... effrayant. J'ai été très très admiratif du jeune couple qui est marié depuis une semaine et qui se sont vraiment pris en charge avec beaucoup de courage. Et tous les invités ici avec lesquels vous avez dialogué ont montré aussi beaucoup d'honnêteté. C'est pas facile de parler de choses aussi intimes. Et je trouve que cette parole prise et cette réflexion qu'ils ont sur eux-mêmes peut servir à énormément à tout le monde, y compris à moi. Je suis très, très admiratif aussi sur l'histoire de Guylaine et de François, là où c'est vraiment carrément une scène de la pièce que je joue, qui s'est jouée. À table. Ce qui me frappe dans la plupart des cas, c'est cette espèce de difficulté au réel. C'est-à-dire que là, je veux dire, on a le mariage, au départ, est une histoire d'amour, je veux dire, qui est pleine de promesses, et tout d'un coup, on a l'impression que le mariage, le réel débarque comme ça, et la plupart du temps, il y a des fuites. Alors, est-ce que c'est la fuite dans l'alcool? Est-ce que c'est la fuite dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est la fuite dans les voyages? Est-ce que c'est la fuite dans le travail? Vous avez parlé de beaucoup de passions, mais moi, j'avais plus l'impression que c'était des addictions plus que des passions, parce que les passions ne sont pas forcément ravageuses, destructrices. Moi, je suis passionné de théâtre. On peut être passionné de musique sans que ce soit une fuite du réel. Ou que ce soit exclusif, quoi, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et puis que ça peut se vivre à deux d'une façon harmonieuse. Je veux dire, et là, c'est vrai que j'ai l'impression parfois que les gens sont sur un terrain dangereux avec la passion. Enfin, madame l'a montré. Valérie, Oui. Qu'est-ce qui peut briser un couple? C'est la question qu'on peut poser, Didier. En fait, je ne sais pas, pour essayer d'approcher des éléments de réponse, est-ce qu'on doit se dire que c'est une fatalité? C'est parce que c'était lui, parce que c'était elle, que le couple s'est brisé? Ou c'est, sans faire de constante, ou c'est parce qu'il n'y a pas eu d'envie commune de vouloir vraiment se donner toutes les chances de continuer, quoi? C'est difficile de généraliser. Ce sont bien mes questions, elles sont faciles à répondre. Hein, c'est, bien, ouais. C'est difficile de généraliser, mais je crois en tout cas... Que la prise on garde l'antenne encore une petite heure, on la rend tout de suite, hein, juste après le dernier jour. Je pense que la prise de parole, d'avoir le courage de s'affronter, comme l'ont fait certains de vos invités, de nommer les choses, de les dire, d'en parler, je crois que c'est ça l'acte d'amour aussi. C'est d'arriver à avoir suffisamment confiance en l'autre pour que des choses soient dites et non pas tues. Ouais. Dans le silence, voilà. Merci à Didier Sandre qui était donc avec nous pour conclure cette émission. La semaine prochaine, on proposera une émission sur les femmes de la route. Francis, les femmes de la route, celles qui conduisent des 40 tonnes, celles qui ont 400 kilos de guidon entre les mains, celles qui conduisent des taxis, des énormes camions, qui pourraient, dans notre imaginaire, ressembler à des hommes, mais qui sont en fait de véritables femmes. Elles nous parleront de leur émancipation, de leur féminité, de leur passion, donc mercredi prochain dans Ça discute. Merci d'avoir été à nouveau avec nous. Dans un instant, le dernier journal, suivi des mots de minuit avec Philippe Lefebvre. Merci à vous tous, bonsoir.